préfère me confier à personne car ils parlent tous. La vie c'est dur, la vie c'est pas cool. C'est pas un cartoon. Faut charbonner pour faire un tatou. Hey, je veux que ma mère soit fière. Ça fait quoi? Ah, incroyable. Tu m'as dit quoi, mon ref? Je dis, ça fait quoi là? Ça fait peur, hein, et toi? Ah, donc c'est comme ça. On est là. T'es pas là, ton frère? Il arrive là, pourquoi? T'as besoin de lui? Hier soir, on l'a lâché avec des meufs. Il était grave timide. Arrête. Il a pas baisé? Je crois pas. Attends, on m'a dit ça y est, t'es devenu grand là? Ah, mon gars, touche-moi, vas-y. Ah ouais? Ouais? Non. Eh ouais, je suis le fils de Salazar maintenant. Hop, sois vif quand tu me touches-moi. Il va, ok, je l'appelle. J'appelle Salazar. Tu veux que je l'appelle? Excuse-toi, je l'appelle. La vie de ma mère, je m'excuse pas. Ah ouais? T'es sûr? Je suis grave pas sûr, mais. Première et dernière fois, fiston, t'as compris? Il est où, Leon? Tu crois qu'il est là ou quoi? Il est grave vieux, lui, il va arriver dans une petite demi-heure. T'as rencontré les Hustlers? C'est qui ça encore? Une orga, des mecs un peu bizarres. Ils ont un belge avec eux qui est grave énervé, grave moche. Ouais. Il a réussi à faire sortir la haine des seconds. La haine, il a commencé à leur tirer dessus sans rien dire. Là, aujourd'hui, là? Hier. La haine, il avait le démon contre eux. Ah, tu verras, je pense que toi, tu vas bien les aimer. Les Hustlers? Ouais, le belge, il va t'énerver, je te jure, tu vas l'embrouiller. Ah ouais? 100%. Et ils font quoi, genre? Je sais pas, c'est des gars, ils sont grave blindés. Ils habitent au-dessus de l'université, dans les villas. Pour leur jugular, tout ça. Ils prennent les gens de haut. Ils habitent où? Au-dessus de l'université. Je les baise, vas-y, tu quoi, je vais y aller. D'ailleurs, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 25, pourquoi? 24, j'ai 25. Je pensais que t'étais plus jeune. Vas-y, viens, on fait un tour. Mon frère, il a. Ouais, non, moi, j'ai 24, mon frère, il a 22. Et ma petite soeur, elle a 20. Et personne va à l'université? Il y avait trop de monde et tout, tu vois. Du coup, c'est pas super. Alors, on attend que ça se calme un petit peu. Mais quoi, et c'est un gang? Non, je crois que c'est des gars au-dessus de nous, hein. Je crois que c'est une orga. Hein. Comment pas, ça, une des gars? Trop sur deux, trop serein. On les drive-by? Oh, c'est maintenant, tout de suite, là? Ouais. Non, en vrai, on comptait foutre la merde avec eux sans que la haine soit au courant dans 10 minutes. Là. Ils habitent où? Vas-y, guide-moi. À gauche, là. Ah, ici, là, non? Cette maison? Ouais, là, maintenant, à gauche, là. Regarde toute leur voiture, tout ça, c'est eux, là. Oh. Ils habitent dans un manoir? Ouais, Ferrari. Ouais, c'est un palace, leur truc. Donc là, tu vas pas tirer, là? Là, je vais grave pas tirer, là. T'as chaud. En vrai, j'aurais. Là, j'ai pas de balles. Là, tu vas. J'en ai, moi, si tu veux, des balles. Ah oui, t'as un truc dans la boîte à gants au pire. Tu veux? Vas-y, je vais prendre. Attends, laisse-moi mettre en position de départ juste. La Ferrari, elle coûte cher pour la faire péter quand même, non? Non, une petite shafter là, la shafter. Une petite shafter. Je trouve ça pète ça. C'est résistant une shafter? Tu connais un peu? Ah là je crois qu'on est bien là. Quoi que. Mais ça va faire effet boule de neige non? Oui. J'espère ils ont pas vu, c'est bon. En plus c'est ma voiture, putain j'ai la haine. Et pourquoi t'as une voiture comme ça toi? Mais c'est ma voiture. En gros t'as vu, on t'a mis dans le business, on a de la coke à faire partir tout ça. Ouais. Et en gros on en a trop. Et on a dit, vas-y, vous êtes une orga, on vous donne tout, et comme ça, on passe par vous. Ouais. Et ils ont voulu faire les arrogants, comme quoi, vous avez que 4 tonnes, c'est rien, on n'en veut pas. Ah, ils veulent combien? Non, en gros, maintenant, ils se plaignent parce qu'on la vend moins cher et qu'on leur baisse leur marché, du coup. Du coup, là, il n'y en a rien à foutre, ils leur pissent dessus encore. Tu veux que j'appelle mon Bobs? Vas-y, appelle, hein. Ça va la plus pour rien. Attends, je vais appeler ma gonzesse, déjà. C'est en quelle année que tu dis Bobs? C'est mon Bobs. Oui, ça va, mi barrière. Oui, ça va très bien, ça va très bien. Pourquoi, tu pleures encore? Ça va, je suis à l'église à côté de la maison. Mais pourquoi tu chiales? Non, je ne pleure pas, je vais très bien. Je suis juste... Vas-y, j'arrive, c'est bon. Je raccroche, Seigneur, je... Oulala, ma meuf, elle a des problèmes, là. Ah. Et moi, un point GPS à l'église, là? Vas-y. Si, assieds-toi et prie avec moi, par favor. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous m'entendez tous? Mais putain, on dirait le méchant dans Resident Evil 4. Si, seigneur. Qui voit de qui je parle, s'il vous plaît? Il s'appelle Kenan, c'est mon fiancé. Je l'entends pas, présente. Non, j'ai pas parlé, chef. Très bien.
Non, pas le marchand. Mes chères dames et messieurs. Ouais, allô. Allô. Ouais, je suis à l'église. Comment ça, t'es en église? Je suis allé. T'es devenu prêtre ou quoi? Je suis à l'église, viens. Vas-y, j'arrive. Allez, tu t'énerves. Pas le patin, attends, je vous dire. Non. Mais ah ah. Oh, Dios mio, non. Tu m'en mets dans des trucs comme ça, t'es sérieux? Ça, c'est Loli, il prend. C'est quoi ce bordel? Faut appeler les pompiers, faut appeler un truc là. De ma mère, j'ai dit t'étais un démon, j'ai eu raison. Mais c'est pas moi, moi aussi j'ai pris du feu. C'est des baisers. Il y a ma meuf à l'intérieur, frérot. T'es un pétard, non? Je vais pas quoi, je vais pas tirer sur... Chef. Au secours. Oui, y'a un mec qui lance du feu à l'intérieur là, dans l'église. C'est vrai? Ouais. Faites attention, c'est Tango, la mort, je crois. De Tango 99, on a apparemment une personne qui... Un mec capuché, il dit des trucs bizarres, il fait des incantations. Ces derniers mots ont été à la Kazoom. Vous avez bien baissé, sinon. Ouais, ça va, on a pris la fuite direct, mais il y a des civils à l'intérieur là, faut aller les aider, s'il vous plaît. Non, c'est à droite, chef. Là-bas. Pas sûr, hein, faut attendre les collègues, il y a une dame en. Il y a une dame, hein, là-dedans. Ouais, mais malheureusement. On va y aller. Ouais, c'est quoi votre nom, monsieur? Kenan. Et vous, monsieur, d'identité pour un simple contrôle? Là, je l'ai pas sur moi là, mais Kenan Seguin, S-E-G-I-N. Ok. Kenan Seguin. Seguin. C'est ça? Seguin, ok, oui. Monsieur? Voiture à Reyes. Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Nickel. Ouais, on attend les renforts, on va pas y aller à deux comme ça. Vous voulez que je vienne avec vous? Oh, vous inquiétez pas. Vous voulez que j'aille en frontline? J'y vais en devant? Non, mais monsieur, on va pas vous mettre en. Mais là, y'a ma femme qui est à l'intérieur là, moi je vais y aller sinon. Mais les collègues ils arrivent, vous inquiétez pas, les collègues ils arrivent, regardez, vous entendez les gens, ils sont là. Dès qu'ils sont là, on pénètre à l'intérieur. Mais je crois que vous vous rendez pas compte, un mec cap noir qui dit Alakazoom qui lance du feu. Qui dit quoi? Alakazoom. Alakazoom. Ah mais là, c'est quoi, c'est sûr elle est morte ma meuf, bon j'y vais. Il la lance flamme. Non monsieur. Attendez. Mais on se je vous jure. Oh non, désolé, non. Si tu ne veux plus être maudit, tu dois prendre la main. Tu fais quoi, je tire dessus? Il n'y a plus de feu. Non. Mais là ça crame, frérot. Non. Au moins. Oh! Oula! J'en ai marre! Et mes frères chrétiens! Juste si jamais, n'y voyez pas de. N'y voyez pas de truc, ça doit être. Genre y'a rien de magique ou quoi, tu vois, à mon avis, ils sont en train de lui faire un prank ou un truc bizarre. Une église et 5 flics cramés, voilà. N'y voyez pas d'offense! C'est Ypro et Loli, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Là, dedans! Ouais, rentrez, vos collègues ils se sont fait cramer déjà! Ouais, rentre. Y'a un mec qui crache du feu de sa bouche là, là-dedans là. On a vous inquiétez pas, là on a trois monsieur. Ouais. On a trois collègues à l'intérieur et on a des collègues qui arrivent, il y a toutes les unités qui vont être j'en ai vu deux en fait de vos potes quand même. Il a dit que si on en sortait, il utilisait pas le lance-flamme pour le moment. C'est là, reviens, on est là. Ouais, on est là. Wesh, qu'est-ce qu'il y a, le prof fait nous exciter là. Mon frère il m'appelle, il me dit viens, mais je viens, ouais. Mettez-vous sur le coup d'en face, ouais. Ah il bloque déjà. T'as fait quoi toi? Je crois que sa femme elle est bizarre en fait. Il y a toujours un mec dedans, ouais. Sa femme elle est vraiment bizarre. Elle tenait la main d'un mec capuché en noir. C'est écrit des Alakazoom. C'est quoi ça Alakazoom? Je te jure je sais pas. Alakazoom. Vas-y va sur le trottoir d'en face s'il te plaît. Voilà. Pardon? C'est Conjuring. Ouais, les ordres du commandant. J'ai dit c'est Conjuring, j'ai jamais vu Conjuring. Parce que je suis un mange-merde. J'ai la vérité. Tout ce qui est bail comme ça, la Conjuring, exercice et tout, je vous jure que j'ai jamais vu ces films. Ils sont tous là carrément. Tellement ça me fait peur. Ils ont appelé 17 unités, il y a eu un attentat ou quoi? En vrai, il y a un mec qui crachait du feu quoi. Mais non. Et il a craché du feu sur la meuf à ton frère? Bien sûr frérot, c'est un dragon. Quoi, il y a des genoux? Des dragons. Comment ça, des dragons? On est dans Narnia ou quoi? Bah frérot, y'a un mec qui m'a craché du feu! C'est quoi ça? T'appelles ça comment? C'est un dragon! J'en sais rien moi, c'est inexplicable! Par contre, Katen, je t'aime bien, mais entre ta meuf, elle perd la mémoire, maintenant elle crache du feu à côté d'un mec qui dit à la Kazoom. C'est pas elle qui a craché du feu, non? Je sais pas. J'avais vu Conjuring, non, jamais. Là, ça fait trop peur, ouais, comme ça là. La famille quand même. T'as vu, film d'horreur avec des tueurs en série, gore et tout, ça me dérange pas, tu vois. Mais dès que ça parle de sorcellerie, de trucs. Et j'ai fumé un dragon. Excusez-moi, y'a quelqu'un qui est à l'intérieur? Ouais. Vous pouvez me dire un peu la situation parce que je... Bah, y avait un homme capuché en mode. On peut dire drapé, parce que c'était un drap, non? Ouais, genre, vous voyez un petit peu. Palpatine? Genre dans les deux premiers films, ouais. Ouais, ok, ouais. Un peu dans le délire, ouais. C'est
Ouais, un peu dans le même délire. La capuche et tout, ouais. Ok, ouais. Vous voyez? Ouais, bah, Dark Sassou. Palpatine, genre. Ouais, Palpatine. Oh, ouais, ok, vas-y. Ok, ouais. Bah, lui, et il crachait du feu. Quoi? Ouais. Il crachait du feu? Ouais, c'est ça, la Kazoom. Bonne chance. Vous avez pas été blessé, monsieur? Non, ça va, ça va. T'es blessé, toi? Non, ça va, hein. Ouais. Ça va? Et les keufs, ils servent à quoi là? Ça va? Ouais? Oui? Ah! Qui là? Rien, toi? Mais pourquoi tu cries? Bah, je sais pas, tout le temps tu m'appelles comme ça, du coup, je fais comme toi? Quoi? Mais non, mais moi ça va aujourd'hui? Bah, moi aussi ça va! Ah, ok. Tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? On est devant l'église là, il y a ma meuf, elle s'est embrouillée avec Palpatine et il lui a craché du feu dessus. S'est embrouillée avec qui? Palpatine. J'entends plus. Ben, j'aurais bien aimé assister. Palpatine, tu m'entends Palpatine? Ah, ok, oui, ok. C'est l'anniversaire de Lamar. Ah? Ouais. Ben, on va faire une soirée. Parce qu'il est triste là que tu sois pas là. Ben, ok, je finis là et c'est où là, ouais, sa soirée? Bah, là pour l'instant il est en face de chez moi. Putain, y'avait la meuf à Kenan là. Bah vas-y, bah quand tu sais, tu me dis, je viens. Okay. On est rentrés, ils se sont assis tous les deux au premier rang. Il lui a niqué sa vie. Tu viens noircir sa vie, sale bâtard. Je suis à la fête des 13 pour mon anniversaire. Ah, mais faut pas faire ton anniversaire là-bas, c'est des fils de pute eux. Oui, mais c'est Laetitia qui m'a dit de le faire ici. Quoi? C'est Laetitia qui m'a dit de le faire ici. C'est qui Laetitia? Je vais passer chez toi pour souffler juste une bougie après. T'es ma soeur! Vas-y, viens devant la maison, j'arrive. C'est quoi la mare avec ma soeur maintenant? Non, ma voiture elle fume, c'est sa meuf, il m'a dit. Quoi? Il m'a dit, elle a dépucelé. Mais je pense pas, il parlait d'elle si. Mon beau-père, moi, c'est pas ça, Lazare. Ouais, il a baisé. T'as entendu dépuceler là? Non, mais toi, c'est pas Laetitia, ta soeur, c'est. Ah non, je Laetitia, pas non de Laetitia. C'est moi, ma soeur. C'est Laetitia? Ta soeur Laetitia? Bah ouais. Tu fais pas Laetitia? Je m'en bats les couilles de ta soeur. Ouais, Laetitia, c'est la soeur de Gâteau. C'est pas de Bébéto? Ouais, mais en fait, bon, je vous dis un secret ou pas? On a fait genre à tout le monde que Bébéto il est mort parce qu'il est recherché par la police. On a mis un faux cadavre, tout ça, et maintenant on l'appelle Gâteau. Okay, mais le jour 1, vous m'aviez dit que c'était Bébéto? Ah ouais? Bah oui. Ah bah, il y en a qui ont trop parlé. Ah bon? Vous avez fait semblant qu'il mourait? Ouais. Ouais. Fausse pièce d'identité et tout. Non, si on sait que ça fuite, attention. Mais c'est vrai, ils font leur soirée en G-Démon. J'aurais grave saoulé d'aller le voir. C'est quand tu te venges? De eux là? Ah ouais? Je sais pas, j'ai envie de me venger moi, je dors trop. Ouais, fais un beau truc moi. T'as la marre? Ouais, et toi, Kenan? Pourquoi t'es triste? Parce que. À Dakota, elle m'a dit que ma maman, elle viendra. Attends, je crois que tu parles bizarre un peu là. Tu fais le dépressif, fume la marre? Là, tu m'entends bien? Non. Attends, un truc devant la bouche, enlève ta main. Ouais. Salut! Salut! Quoi, je suis un ange? Tu mens, les questions. C'est bien. What the fuck are you doing, bro? Écrase la marre. Mais toi, t'es un. Pourquoi vous êtes pas déguisé? Oh, moi, je vais pas leur soirée, moi. C'est quoi cette petite zone? Mais c'est l'anniversaire de la marre, tu peux pas ne pas venir? Mais je viens. Non, moi, je veux pas le faire avec eux, je veux le faire avec mes vrais amis. Voilà! Il est où, Titouan? Bah, tais-toi, il m'a pas répondu. Mais tu veux pas. C'est qui, eux, avec qui tu veux pas le faire? Bah, moi je veux le faire avec Kenan, je veux le faire avec Asya. Pourquoi il le fait pas avec... ici, Kenan? Bon, on va le faire chez lui là. On va le faire là, juste là. C'est qui ça? C'est ma reine ça? C'est une contre-soirée. Attends, est-ce que c'est ma soeur? Fais voir, est-ce qu'on voit son ventre? Ah ouais, ça va Asya? Ça va et toi? Ouais, ça va. C'est une contre-soirée? Vas-y, viens, on le fait ici. Viens là, Marviens, je t'ai prévu un gâteau. Et pourquoi t'es triste? Pourquoi t'es triste? Parce que Laetitia, elle m'a dit que pour mon anniversaire, il y aura ma maman qui vient, mais elle vient pas. Ah, mais elle est trop occupée peut-être, non? Non, elle m'aime pas, elle m'a dit. T'aimes pas ta daronne? Oui, je croyais qu'elle m'aimait. Pourquoi t'aimes pas? Parce que j'ai tué des gens. T'as tué qui toi encore? Une fille à Los Santos. Pourquoi tu l'as tué? Parce qu'elle m'aimait pas. Ouais, t'es un sacré con. Faut tuer les gens parce qu'ils t'aiment pas. Ouais, mais j'avais pété un câble, c'est parce que j'étais en cabale. T'es un putain d'assassin. Kedra, c'est quoi ta couleur préférée? Rouge. Et toi? Rouge. Oh putain! Sérieux? Ouais. Kedra, c'est quoi ton chiffre préféré? Toi d'abord. Non, mais toi d'abord. Moi, c'est 7. Moi aussi, c'est 7. Arrête. Oh non, c'est bizarre, on a les mêmes goûts. Kedra, c'est quoi ton film préféré? Interstellar. Non. Et toi? Interstellar. Arrête. Bah quoi? Putain, c'est un truc de fou. Bah ouais, mais on est jumeaux en fait. Mais on est quand même plus, on est frères là carrément. Tu le penses vraiment? Ah oui. Et. Bah, tu sais quoi, tu passes, du coup, tu passes premier dans ma liste de meilleurs amis. C'est contre soirée ici, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai trouvé. Y'a un clown qui va venir, Lamar. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Yes! Écoute, c'est pour toi, Lamar! Super! Anniversaire!
Merci, Ancia. Happy, happy birthday. Merci, mon bébé. Voilà. Attends. Oui, ça va. Là, souffle tes bougies. Regarde les bougies. Oh, il y a des bougies, regarde, Ancia, il y a des bougies. Oh, ça, regarde les bougies. Voilà, souffle sur le sur la télé, souffle. Allez, souffle plus fort là. C'est vraiment à l'aise le collègue là. T'es sûr que ça c'est toi? Allez, souffle. Ah ouais, oh les gars, c'est la guerre des étoiles sur la télé. Oh, il a envoyé 18 Star Wars par seconde. Ouais, bon anniversaire, ouais. Voilà, moi, c'est qui ça? Lamar, voilà, tu fais calage, tu fais calage, tu fais calage. C'est toi qui a ramené ça pour Lamar, là? Ouais. Moi, souffler les bougies. Moi, mais souffler les bougies. Ouais, Lamar. Moi, souffler les bougies. Ouais. Il est sous ma cheville. Il est malade. Ouais, Lamar, ouais. Livre 2 tonnes de weed. Je suis désolé. WWE. Il est trop mignon. WW. Cassez la jambe. T'as mon âge maintenant, t'as mon âge là. On a le même âge, ça veut dire on peut faire un bac H de punk ensemble. Non, non. Vas-y s'il te plaît. Non. Kenan. Non. J'ai besoin de toi pour mon bac H, on est amis. Non. Kenan, pourquoi? Tiens, souffle les bougies, elles sont rallumées. Souffle les bougies, elles sont rallumées. Oh, elles sont rallumées. Elle est sympa. Souffle, 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 souffle là. Voilà. Ah oh ouais. C'est bien, oh c'est bien. Kenan, s'il te plaît, pour mon cadeau, fais un barquage de banque. S'il te plaît. Non. Je t'en supplie, Kenan. Je serai sage. Je serai tout ce que tu me demandes. Non, Lamar, non, non. Trouve-toi un travail. Va travailler. Pourquoi tu veux pas? Va travailler, va travailler. Mais pourquoi tu veux pas? Mais parce que je vais pas une braquine banque. Pourquoi t'as pas envie? T'as pas les couilles en fait. Ouais, exactement, ouais. Ah ouais. Ça a changé la vie. Moi, tu sais quoi, je devais le faire avec Asya en fait. Et attends, parce que c'est pas fini, j'ai encore un cadeau pour toi. Tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu? Respectueux. Ce que tu m'as dit? Tu m'as dit. Oh, oui, le bout de cerveau. Le? Non. Le bout de cerveau? Non, non, non. T'as un bracelet électronique ou quoi? Tu m'as dit, waouh, ta casquette elle est trop belle. T'en rappelles ou pas? Oui, c'est vrai. Tu m'as dit, waouh, c'est North Face. Elle était trop belle ta casquette North ouais. Face. Bah, tiens, je te l'offre. Non, pour de vrai? Ouais, c'est vraiment la tienne là cette fois. Quoi? Oh, merci Kenan. Waouh, ça me fait. Merci Kenan. Waouh, waouh. Ah non, elle va trop bien. Bonjour, je m'appelle Kenan 2. En plus, on aime les mêmes films. Oh, mais t'as carotte ta casquette là, non? C'est moi, je lui ai offert pour son anniversaire. Et toi, tu lui as offert quoi pour son anniversaire? Quoi? La marque, tu vas me péter. Ouais, une belle casquette pour mon anniversaire. Oh, ouais, le monsieur là-bas, il est petit. Le monsieur là-bas. Vous voulez voir quoi exactement, petit. Monsieur Rémi? Et le bâtiment là que je t'avais dit là. Oui, monsieur Rémi. Ouais, bien, monsieur. C'est Kenan, il m'a trop Yoda. Bah, c'est le bâtiment. Comment ça? Comment ça? Propriétaire de ce bâtiment. Attendez. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour monsieur, ah, monsieur Rémi. Oui. Bonjour. Bonjour monsieur. Sécurité, s'il vous plaît. Comment allez-vous? Vous êtes le propriétaire ou ouais, je fais ouais. Qu'est-ce... Oui, mais de toute façon, j'ai vu avec le maire, on va raser le bâtiment, je vais faire mon casino, je viens de m'installer ici là. Vous trouvez l'emplacement vraiment pas mal. Depuis quand? Vue sur voilà, on a une bonne vue et tout. Une vue sur quoi? Sur d'autres bâtiments? Là monsieur, sans vouloir vous enfoncer, c'est vue sur la mer. En face, il y a un quartier. Monsieur, le business plan, ils ont fait un business plan et c'est intéressant les joueurs justement de casino, ce sont les gens qui sont comme vous, voyez ce que je veux dire. Mais moi je dors où moi? En plus, j'ai eu un bon prix et voilà, monsieur le maire m'a fait une proposition. OK, mais enfin, moi... c'est moi qui a fait une proposition. Mais vous me relogez? Du coup, voilà. Mais on loge ici monsieur. Ah bon? Ah oui? Ah bah c'est pas grave! Oh. Eh bah vous pensez, passez une part sur votre casino. On va avoir un casino voyons. Putain, oui mais, ouais, mais moi on je... On va se faire des couilles en or vous les jeunes, vous allez kiffer. Je dors dans le casino moi monsieur. Vous embosse, vous inquiétez pas. Ah. Oui mais je dors où? Mais vous dormez à l'hôtel. C'est qui le maire Lamar? Ah, il a pas pu résister à ma proposition vous savez hein. Y'a qui? Y'a pas de maire? Jérôme. Non. Pas vrai Jérôme? Y'a pas de maire. Y'a pas de maire, c'est mauvais timing là petit. Si, il y a le maire, je vous dis. C'est qui le maire, Lamar? Le président, ou je ne sais qui. Monsieur Rémi a des contacts, monsieur. Monsieur Rémi a des contacts, monsieur. Montre-moi le bâtiment. C'est là, monsieur Rémi, que vous vouliez faire le casino, tout ce bâtiment. Non, moi, je vais écouter, moi, c'est... Est-ce que tu peux lui demander si je peux le porter, s'il te plaît? Misérable. Mais en plus, le deuxième appart, là, ils sont en train de le retaper. Oui, mais là, je vais lui cramer sa voiture, là. Mais attends, tu vas les laisser faire? Bah non, mais c'est toi l'avocate, moi, j'en sais rien, moi. S'il faut que je les frappe. Une piscine, monsieur Rémi aussi. Demande-lui, Arsia, demande-lui. Ma beauté. Oui, bonsoir. Par contre, je vous ai entendu parler avec mes frères. Et je crois qu'il y a un petit malentendu. Demande-lui. Parce que. Oui, bah, en fait, vous sentez très bon en tout cas. Ah, c'est gentil. Elle sent bon. Hein. C'est un parfum. C'est votre sœur? Ouais, c'est ma petite sœur, ouais. Vous cherchez du boulot pour mon casino? Moi? Il faut des femmes comme vous pour attirer
les clients, vous savez, les femmes un peu, voilà, comme vous, quoi. Hein. Vous entendez quoi par tout ça? Vous êtes très ravissant, vous êtes très joli, vous pouvez attirer les clients, vous voyez. Le monsieur, voilà. Il est petit, le monsieur, il mange des repas petits. Respectez monsieur Rémy, s'il vous plaît, monsieur. Mais oui. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Par contre, Alors, oui. Ouais, du coup, on va tout raser, hein. Mais c'est pas mon problème, ça. Vous voyez, avec le maire, moi, on m'a dit, venez vous installer, et vous choisissez ce que vous avez besoin, et voilà, on m'a proposé ce bâtiment, avec un bon prix, vous voyez. Madame, monsieur, dames, s'il vous plaît, gardez une distance de sécurité avec monsieur Rémy. Ah non, mais... Monsieur, ça fait un quart d'heure qu'on discute, ça se passe très bien. Et vous savez, il y a d'autres bâtiments qui est mieux, il y a d'autres maisons. Vous êtes jeune, regardez-moi, moi, je me fais vieux, vous allez pas... Ils sont sûrement locataires, monsieur Rémy, ça se voit qu'ils sont pas... Oui, ça se voit. Mais vous, si vous nous relogez, relogez-nous quoi. Pas de logement, ça sera un casino, c'est tout. Ouais, mais logez-nous ailleurs. Vous savez, les temps sont durs en ce moment, j'ai pas assez d'argent, vous voyez. Ouais. J'aurais pu vous loger, mais vous savez, c'est compliqué. Monsieur. Quel beau barbecue! La purée! C'est sympathique à voir! Souffle les bougies! Souffle les bougies, la mort! Non, c'est les bougies! Ouais! Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quoi? T'as entendu exploser? Il faut que vous m'aidez! Mais vous voyez! Ah oui, mais ça craint ici! Ça craint ici! C'est malfamé! C'est horrible! Ah oui, oui, ça craint! Mais votre malinois, monsieur, vous a pas très bien défendu, votre voiture! C'est l'héritage de monsieur Rémy! Non, mais chef! Ça craint ici! Ici, c'est dangereux, vous devriez partir! Jamais votre casino ne serait en sécurité. Ah ouais, non, ça va le cramer là. Ici. Je vous parlais de voiture cramée, vous m'avez pris à la légère. Vous avez valé des millions et des millions de dollars. Ça appartenait à mon grand-père, à mon arrière-arrière. Ah, mais elle aussi appartenait à mon arrière-arrière. Mais je pense que c'est récupérable, hein. Ouais, là. Moi, je pense pas. Il faut pas venir ici, il faut pas venir ici, monsieur. Attendez. Non seulement il valait des millions de dollars, il y avait aussi des. Je suis désolé, c'est une catastrophe. Une mallette. Moi je pense que vous devriez vous installer vers Laissez-le finir. Je sais plus quoi faire. Jérôme, qu'est-ce qu'on fait, putain de merde. Je suis désolé, monsieur Rémy. Je suis sincèrement désolé, mais monsieur. Je comptais sur toi. Et là, moi, qu'est-ce que tu veux pas d'information là. Attendez, il y a personne qui a vu quelque chose. Non, mais ça craint ici. Ça craint. Il y a. Souvent. Zebi, va parler plus loin, je t'en supplie, s'il te plaît. Souvent, là, ça vient d'eux. Eux, ils aiment bien cramer les voitures de luxe qu'ils voient parce qu'ils sont jaloux. Écoutez, si vous me la ramenez, cette personne. Non, moi je peux pas y aller. Ça craint trop là-bas. Moi, je me suis embrouillé. La dernière fois, ils ont planté ma soeur. Sur Rémy, ce petit, elle va pas s'en sortir comme ça. On va le retrouver, monsieur. C'est un homme qui s'appelle Neto. C'est lui qui tire les ficelles ici dans ce quartier là. Neto, retiens bien. Très bien, monsieur Jeune. Jérôme, retiens bien. On va le retrouver, ce fils de pute. Il habite juste derrière Chauve avec des lunettes de soleil sur le front tout le temps. Et lui, c'est lui, il fait cramer toutes les voitures et tout. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire, putain? J'ai déjà vu avec le. Il faut que je revoie avec le maire alors. Ah, mais ouais, non, mais ça craint. Il va falloir qu'on vous extirpe d'ici, monsieur. Non, mais laissez pas passer ça, vous comprenez? Le chantier pour les mois à venir. Vous comprenez dans quelle galère on habite, nous, ici, monsieur? Vous voyez comme c'est dur? C'est compliqué pour vous, les jeunes, hein? Ah, ouais, c'est pour ça. Mais vous voulez pas nous débarrasser de lui? Vous allez mettre à votre place, hein, vivre ici, comme ça. Vous savez, si vous vous débarrassez de lui, vous pourrez le construire le casino de manière sereine, hein? Nous, après, on se reloge dans ces tours là-bas. Ah, en face, vous voulez dire? Ouais, nous. On peut raser là-bas, vous pensez? Non, l'inverse. Nous, on déménage, on habite là-bas, et vous mettez votre casino ici, et au moins, tout est bon. Oui, mais. Vous vous débarrassez de ce certain étau, faudrait qu'on. Fils de pute. Mais. Et comment vous allez rentrer? Je vais véhicule comme ça. Bon. Peut vous déposer, ouais. Bah, il va falloir payer un peu quand même. Et l'argent, c'est pas un problème. Vas-y, venez. Très bien, bah, c'est nickel alors. Venez, monsieur. C'est pas possible, mon porte-l'œil. Si, monsieur, vous pouvez taper sur la carrosserie de ma voiture pour. Ça me mettrait bien. Comment ça, parce que là. Ah, vous êtes devant? Parce que là, elle fume un peu là. Il n'y a pas un brevet de mécanicien, votre collègue derrière? Personne devant. Moi je suis pas mécanicien. Ah, il est rentré dans la boîte à gants. Ouvrez le capot, je vais regarder ce que je peux faire. Ouais, s'il vous plaît. Oui, Jérôme, il touche à tout. J'arrive toujours à m'en sortir. Bon, même si là, vas-y, Jérôme, regarde, dis-moi ce qu'il y a. Neto, on va le retrouver, ce Neto. Et voilà. Ah, il est doué, le Jérôme, mais bon. Merci. Jérémy ou Jérôme? Jérôme. Je vais être au comico? S'il vous plaît, ouais. Je on va porter plainte, on va voir. Et sa voiture, le pauvre, à gauche, lui faudrait lui. Ah non, ben. Oh, mais non, il faut qu'il assume aussi, hein. C'est un dommage collatéral. Oui, allô? Oui, je suis avec monsieur Rémy, effectivement. Ouais, c'est compliqué, là, il y a eu des échauffourées dans un quartier du nouveau casino.
Ouais, il faudrait faire une enquête sur un certain Neto, s'il vous plaît. Très bien, je vous remercie. Transmis, monsieur Rémy. Parfait, parfait. Tu vois, qu'on veut faire changer les choses, on nous met des bâtons dans les roues, Jérôme. Et vous, les jeunes, faites attention à qui vous fréquentez. Ah ouais, mais on n'a pas le choix, on habite là. Ouais. Ça doit être un enfer. Hein. Ouais. Ça doit être un enfer. Ces petits voyous, là. Ces petites merdes, je les maudis. Vraiment. Commissariat, vous m'avez dit. Fils de pute. Tous ces fils de pute, ces fils de pute, je les déteste, les. Les fils de pute, putain, j'en ai marre. Ça va? Calmez-vous, calmez-vous, monsieur. Voiture, vous savez, c'est la mallette qui était à l'intérieur, putain, c'était tout. Il y avait quoi dans la mallette, monsieur? Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Je peux pas en parler, mais c'était très important, les papiers, etc. Mais ça vaut plus que ça, beaucoup plus que la voiture. Bah, croyez-moi. Toutes mes condoléances pour votre mallette, monsieur. Ouais, c'est pas. Pas avec ça, tu vas réparer les choses, moi je vous le dis. Ça fera 5 000 $, monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Bah vous y avez dit que l'argent. Ah mais dommage, ma voiture a pris feu et tout est à l'intérieur, hein. Bon. Ah. Ouais, ah, bon. Monsieur Jérôme, vous avez une solution à ça? Bah écoutez, c'est pas notre faute, voyons. Ok, bah j'espère bien. De parole, moi. De oui, toute mais façon, écoutez, vous... comprenez-moi, il y a tout. Ah, je vous comprends, vous inquiétez pas. Vous allez aller voir Neto, on pourra se voir à l'occasion, c'est pas grave. Ok, parfait, on fait comme ça. Merci les jeunes. Okay. Merci. Bah bonne soirée à vous. Que vous êtes pas comme ça. Non, au revoir. On est pas comme ça, nous, au revoir. Maniquette, t'es mort, fils de pute. Oh. Maniquette, t'es mort, fils de pute. Tu vas pas aller rentrer dans la boîte à gants, fils de pute. C'est des bêtes. Ouais, mais au moins, ils viendront plus à la maison pour faire un casino. Tu me régales quand t'as dit je reviens. Est-ce que tu savais ce qui allait se passer? Tu t'attendais à quoi, toi? Non, je savais que t'allais faire quelque chose, mais pas ça. En fait, j'en ai lancé qu'un. La voiture, elle a pris feu, elle a explosé. Mais c'est ça qui est bon. Ah, il a dit fils de pute. Bah elle est où la voiture rose là? Histoire qu'on gagne 75 millions, on encule ce garçon Lazare. Ah madame? Qu'est-ce que vous faites toute seule dans la rue? J'attends. Et qu'on vous dépose? Non bah on vient me chercher du coup, c'est gentil. Ça marche, force. Tu vas faire la course? Ah ma voiture elle passe assez rapide. Eh ouais ma cousine. Eh ouais. Eh ouais. Ça y est, depuis que t'as une commoda tu te la sens, hein. Eh ouais, je me la sens. Tout. Vas-y, mais si un jour il y a un mec qui se la sent, tu lui dis vas-y. On fait une course, on met 5K. Et je conduis. Et je t'envoie toi? Ouais, et on le pine. Ah mais ça t'as vu, toi tu sais pas faire des trucs comme moi là, je fais là. Comment? Le dérapage et tout, toi t'es chaud à ça? Ah ouais? Oui mais toi t'es chaud avec le mode drift, t'es pas chaud sans le mode drift, si? Bah si, c'est pareil, ouais. Allez, nique ta race. Des fois, crois pas, quand je drift, après il se passe aussi. Ah bah Psartek. Ouais. Appelle Leon. C'est... Tout le ce qui est arrivé encore. Non? Ah, dans l'église? À l'hôpital. Oui, bah oui, mais... Elle arrête pas, hein. Personne n'est capable de me dire ce qui s'est passé. Ok, je peux vous décrire la situation. En gros, je suis rentré dans l'église et vous voyez c'est qui Palpatine? Palpatine, c'est un sénateur, si. Non, dans Star Wars. Sénateur. Hein? Sénateur. Non, pas le sénateur, dans Star Wars, le mec capuché là. Si, ben dans Star Wars, c'est un sénateur. Ah oui, ok, d'accord, je croyais que vous parliez d'un sénateur. Ok, bref, ouais, ben lui. Eh ben, il était dans l'église et je crois qu'il crachait du feu et il s'en est pris à votre fille. Qu'est-ce qu'il veut? Apparemment, il s'en prend à tout le monde de la ville. Et je vais le retrouver, je vais le cramer moi-même. Attendez, il y a les flics qui me contrôlent. Je reviens, je vous rappelle. Je me disais bien que j'entendais un gyro au loin. Ah bah oui. On va se mettre sur le côté, s'il vous plaît. Ouais. Parce que là, bon, la conduite, c'est pas trop ça, hein. Désolé. Putain, mais j'aurais pu vous semer. J'aurais pu vous semer facile, même. Ouais, bah... Après, je vous ai en visu, j'ai des bons... Quand même, je vous vois bien, hein. Votre voiture là, ouais, c'est un elle bon est quand même belle, hein, un beau modèle. Hein. Merci chef. Vous savez pourquoi on vous arrête au moins? Non, je nie les faits. Pourquoi tu l'arrêtes? Ouais, vous, moi, non, vous êtes pas dans l'histoire. Côté hein. Passager, moi. Non, oui, bien sûr, mais on vous arrête. Parce que, sincèrement, je vous ai suivi, c'est-à-dire je vous ai vu, vous êtes passé à balle devant moi, oui. Vous avez suivi au loin. Oui. À un moment, voilà. La vitesse, je nie les faits. Ah, en fait, ouais. Alors c'est à dire qu'on était vraiment littéralement à au moins 150. Vous avez une preuve radar? Ah oui. Bah vous étiez plus rapide que nous. Et alors? Vous aviez un radar? Ouais, bah à partir du moment où on était à 150. J'aimerais voir le PV du radar s'il vous plaît. Bah venez. Ah vous en avez vraiment un? Radar. Attendez. Vas-y. Parce que vraiment, c'était juste de la logique quoi, vraiment. Ah il marche pas le radar. Non parce que moi j'étais à 50 km/h. 50. Oui. Alors regardez, écoutez, non mais c'est simple, c'est de la logique. À partir du moment où on était à 150. Oui. Que vous étiez plus rapide que nous. Bah, vous étiez en effet de vitesse, chef. Hein. Non
Non. Faut faire attention hein, quand vous conduisez. Non, mais si jamais on s'est conduit plus vite, t'es pour vous rattraper, bon, monsieur. Eh, vous savez quoi, présentez-moi juste un permis de conduire et carte mais grise. Mais non, mais et... tu vas pas abandonner comme ça, non. Non, après on va reparler, je veux juste déjà la carte grise et... La carte grise, je l'ai dans la voiture, par contre j'ai pas ma carte d'identité sur moi. En gros, on me l'a volé, j'ai porté plainte et j'ai toujours pas de nouvelles. Bah vous repassez au commissariat, on prend votre plainte directement, voilà. Ouais, mais j'ai déjà fait, Kenan Seguin. Bah, dites-moi... Tenez les papiers du véhicule. Comment Kenan Seguin. Ouais. Tenez. Elle est au nom de Maïlyn Salazar, c'est ma femme. Ah oui, la femme de tout à l'heure là. Ouais. Oui. Ah bah en plus je crois que mais je ouais. Deux, là. Ouais, bah oui, c'était nous. Ouais, à l'église. Ouais, à l'église. Ouais. Là où il y avait un mec qui crachait du feu. Ouais, le fou furieux là. Vous l'avez arrêté au moins? Ouais, non. Bah non. Parce qu'il a une cape, il est toujours en liberté. Ouais, mais en tout cas, monsieur, bah je suis vraiment désolé, mais on va devoir vous mettre une amende pour excès de vitesse. Hein. Ah ben non, puisque vous avez. Mais je veux voir le PV du radar. Mais c'est de la logique. Ça se trouve, vous êtes raciste. Non, mais ça se trouve, vous voulez juste me piéger. Peut-être que vous me détestez parce que je. Non, mais en gros, ça se trouve, moi, j'ai aucune preuve de votre honnêteté. Peut-être que juste vous me détestez et du coup, là, vous voulez me verbaliser, sinon c'est trop facile. Non, mais bah oui, mais dans ce cas, c'est beaucoup trop facile alors. On a juste à. Ah non, mais. Juste à dire, bah. Oui, c'est ce à quoi sert les radars. C'est pour ça qu'il. Non, mais écoutez, c'est de la logique. Vous pouvez mettre conduite dangereuse si vous voulez, mais vous pouvez pas mettre excès de vitesse. Je connais mes droits, hein. Ouais. Qu'on aille, mais je connais un restaurateur là-bas, il a tout le temps la caméra. Hein. La dernière fois, je suis allé manger. Oui, mais dans la caméra, il y a pas un radar de vitesse. Ouais, il y a pas de radar. Non, il y a pas de radar. C'est pas bon. Eh ouais, je connais mes droits. C'est ça de s'en prendre à des gens intelligents. Eh ouais. Fort, monsieur. Non, vous êtes très fort. Très fort. Merci. Bon, mets-lui conduite dangereuse et mets-lui une grosse conduite dangereuse. Non, pas une grosse conduite dangereuse, s'il vous plaît. J'ai pas un euro. Grosse conduite. Nous, on a zéro. Nous aussi, on nous a même pas payé. Ça c'est ton problème ça. On doit facturer encore plus vite et plus fort vous. Comme ça, j'ai même pas un dollar sur moi là, j'ai mis 15 dollars d'essence, c'est tout ce qui me restait. Je vois, vous êtes des esclaves. Il y a le mec là, Palpatine là, qui est avec mon daron. Hein? Il y a le mec là qui a agressé Maïlyn là, qui est avec mon daron. Ouais, et ben, tu l'as là, on l'a? Ouais. Ok, c'est et parti. Il veut que je vienne. T'es pétardé toi? Ouais. Vas-y, on l'attrape. S'il te plaît, ne fais pas de geste brusque. S'il te plaît, Monsieur Capuchman, là, Palpatine. Oula, vous arrivez. Tu peux lever tes mains tout doucement? C'est allez, tu vas lever tes mains, Palpatine. Ne m'oblige pas à sortir mon sabre laser. Parle plus fort, Palpatine. Il va falloir que tu parles plus fort avec cette ordre. Ne m'obligez pas à m'énerver! Ma mère n'est pas contente! Lève les mains! C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah! Pars! Tu fais quoi? Allô? Ça va? Ouais, je suis au cimetière là, ouais, ça va. Vous voulez faire quoi là contre ça? C'est y'a la police qui arrive au cimetière là, je crois. Non, mais faites gaffe, y'a un mec qui crache du feu, y'a un mec capuché, il crache du feu sa mère. Et faut faire quoi? Bah, j'en sais rien. Et pourquoi on m'a dit faut régler. Oui d'accord, bah y'a, peu importe ce qu'on t'a dit, y'a un mec qui crache du feu. Un mec capuché qui crache du feu. Oh mais il pleut. Alors moi le feu il est pas censé. Quetzalcoatl ? L'autre Quetzal. On soigne le mal par le mal. Attends, il est où? Attends que j'attrape celui-là. Tout va bien. Enlève les mains et on s'approche pas. Si t'as un individu qui tenait des cocktails
Mais non, il y a avec moi qui avait un cocktail Molotov. Il y a avec moi. Putain. Seigneur, baissez cette arme, ça ne sert à rien, messieurs. Un trou du cul, on n'avait rien. Ça ne sert à rien de pointer cette arme sur c'est nous. C'est pas nous les fautifs, il y avait le mec capuché là. Ah, c'est vous qui avez passé l'appel? Mais oui, si, c'est... On a passé l'appel. Mais parce que je voulais le brûler, le mec, j'ai peur. Eh bah tu as peur, tu appelles les flics et tu attends qu'ils arrivent, c'est leur boulot, pas le tien. Eh oui, mais en attendant, je fais comment? Eh bah tu pars, si tu as peur. Mais il est là-dedans, quelque part, il me traque. Ok, eux, gardez-les, ils avaient des cocktails Molotov, mais en gros, c'est pas eux qui ont foutu le feu. Mais c'est pas moi qui avait... Il y avait que moi qui avait des cocktails. J'ai pas si, seigneur, ça ne sert à rien, mais c'est votre arme. Oh, j'ai mon arme en plus. Ici. Je vous explique ce qui s'est passé. Il y avait que moi qui avait des cocktails Molotov. J'étais à l'hôpital, vous voyez, parce qu'il y a ma fille qui est hospitalisée. Là, elle s'est fait agresser par... Si, elle s'est fait agresser certainement par le même individu qui nous a attaqué. Il y avait un vieil homme. Il m'a demandé de les déposer au cimetière. Si, c'est ça. Monsieur Rezou Salazar, c'est ça? C'est exactement moi. C'est moi qui vais essayer de vous appeler en vue de votre bijouterie. C'est votre bijouterie, c'est ça? Si, il reçoit un message à l'instant par rapport à ça, où quelqu'un m'a envoyé la photo de ma bijouterie en feu. Oui, c'est ça. Elle a brûlé, les pompiers ont réussi à éteindre le feu, rien n'a été volé, mais des sacrés dégâts matériels. Si, j'ai reçu une photo. Okay, il y a beaucoup de choses en même temps. Du coup, on va se concentrer là-dessus pour l'instant, vous voyez? Il a déposé ce vieil homme, il voulait prier. Il a disparu là. L'âme de sa mère. Et il était à la tombe là-bas, il y a des bouts de cadavres sur la tombe. Mais d'un seul coup, il a commencé à avoir des flammes partir de tous les sens. Et par chance, il y avait un orage et le feu ne s'est pas propagé. Ok, moi je vais aller voir Venez, c'est juste là la tombe, seigneur. Ok, messieurs, s'il vous plaît, vous allez me dire tout ce que vous avez vu. Oh, on vient d'arriver. Ah putain, c'est lui comme par hasard. Ok. Ok, ok. Comment combat le feu, nous? Avec le feu. On sonne le feu par le feu, mon gars. Ah, le feu par le feu, je pense. Putain de merde. Il a cramé ma veste, les gars. Sors, messieurs. Sors. La grosse veste, là. J'aurais bien aimé qu'il brûle à toi, moi. À moi? Ouais. Faut que je te mette des baffes. Encore. Et encore. Et encore. Mais non, moi, j'ai juste dit que j'aurais mieux préféré que c'est toi qui brûle et pas moi. C'est logique. Ah non, pas logique. Ah non, tu fais mal aux autres là. Bah ouais, comme ça moi je suis bien. T'as un enfulé, ça va te retomber dessus. Mais non, ça va pas me retomber dessus, ça m'a déjà tombé dessus. C'est passé comment hier? Parce que moi je suis parti quand il t'a dit enlève ton attaque. Ça y est, il a validé le mariage, là c'est mon gars sûr maintenant. Attends, t'as dit quoi? Je t'ai dit, il a validé le mariage, c'est mon gars sûr maintenant. Ah ouais? T'as vu que t'es pas un homme mort alors? Tu me touches, il t'envoie une équipe, il te baisse ta mère. Ah ouais? Et ouais, et là c'est maintenant où je vais être ingrat, je vais oublier tout ce que t'as fait pour moi. Tu veux savoir un truc? Vas-y. L'équipe qui va venir me tuer, c'est moi. Comment ça? Parce que c'est moi son équipe. Tu savais pas? Ouais, mais moi je suis à la tête de l'équipe. C'est-à-dire que c'est moi le nouveau préfet. Non. Enfin, pendant l'émission de Salazar, c'est moi le préfet. En dehors de l'émission de Salazar, c'est toi le préfet. Ah, si t'appelles à toi, c'est toi qui décides. Si ouais. À moi, c'est moi qui décide. Les gars, formation tortue. Allez. Ce qu'il raconte, les gars. Des putes, on est un renvoi là contre ta mère ou quoi? Formation tortue, j'ai dit, allez. T'as cru on était à Rome ou quoi? Déjà, je sais même pas c'est quoi formation tortue. C'est genre on se colle tous comme ça, vas-y, venez. On fait. Allez, collez-vous. Et quoi? Collez-vous. Genre voilà, bien paqué. Collez-vous à moi le plus possible. Voilà, bien paqué. Je sais pas, je touche le cul à qui là? Voilà. Et en gros, là, tu vois, là vous êtes ma coquille. T'es enculé, vous êtes ma coquille et vous me protégez. Si jamais on me tire dessus, eh ben il peut rien m'arriver parce que vous tankez les balles pour moi. Bah si, on s'écarte tous. Vas-y, venez, on fait un essai pour voir si jamais vous êtes prêts. Attention les gars, formation tortue! Vite. Allez, les gars! Allez, prof, faites les rabat-joie là, putain! T'es tombé! T'as vu? T'es déjà mort là. Ok, les gars, on recommence. Ah, attends, attention! Formation. T'as vu? Les gars! Il est mort, vas-y, zut! Même ton petit frère, il tue pas! Ah, putain! Ça recommence une dernière fois, je pense que ça va marcher. Oh, c'est bon! Les gars, paquet! Allez, on push! Non, moi je vais aller voir. On push! push aller! Ah, Ilan! Putain de ta mère. un down les gars, un down. Y'a des gens qui jouent vraiment au RP comme ça. Enfin, qui jouaient plutôt. Pascal C, tu crois? Elle fait partie, oui, mais maintenant. Je te parlais des gens, ils jouent au RP comme ça maintenant.
C'est ma fille a subi la même sort tout à l'heure à l'église. Et apparemment d'autres personnes se sont fait attaquer. C'est pas une histoire de prendre de la drogue ou quoi. Ah ouais? Ah c'est vraiment réel? C'est. Je sais pas, moi tu me parles d'un mec qui crache du feu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça va beau papa? C'est, quand je dis crache pas du feu, les flammes ont commencé à tournoyer autour de lui. C'est certainement des artifices. Je dis pas qu'il y a du flamme qui sort de son trou de balle non plus. Ça va beau papa? Okay. C'est, attends, tu n'es pas marié encore toi, tu n'as pas, tu t'en es pas acquitté de ta dot hein. Ouais. Non mais c'était juste elle que est à la hauteur de 73 millions hein. Léon il me croyait pas. La dot de votre fille 60, combien? Oui, oui. 73 millions. 13 millions d'emojis snap peut-être. Dollars américains. T'auras besoin de nous ce soir ou pas? Et français FA peut-être si tu veux. Je sais pas, ce soir c'est un peu compliqué. Ouais, ça a l'air un peu compliqué le début de soirée est assez étrange, hein, donc c'est pas à quoi on peut s'attendre. Ok, parfait. Et pour l'œuf là, c'est comment, chef? Si, il y a un truc que tu peux faire. Ouais. J'ai reçu, ma bijouterie vient d'être incendiée. J'ai reçu un message avec la photo de ma bijouterie en flamme et un cognon qui disait, attends, il a dit, ça c'est pour mon fils. Donc il faudrait trouver le père de Titouan. Je sais pas comment il a eu l'info, mais il voit que lui. Et le numéro de téléphone, c'est le 414. 414. Quelqu'un connaît son père à Titouan? Je connais sa mère. Oui, si. 414, tu m'as dit? C'est 414. Ok, si vous arrivez à me mettre la main sur ce type-là qui a mis feu à ma bijouterie, vous m'appelez et je débarque. Ok, vas-y. Et pour l'œuf? C'est pour l'œuf, ils vont le trouver, il faut trouver la voiture, mais on a très peu d'indices. Ah, ok. Ah, il est dans une voiture, c'est plus les deux autres qui l'ont. Dis pas ça, Lazare. Ils l'ont planqué dans pas. Une machine. Vas-y, venons, on y va, nous. Dis pas, beau papa. Qu'est-ce qui se passe encore? Non, mais rien, je voulais savoir juste. Et je dois aller voir ma fille, elle s'inquiète, elle croit qu'il était à la bijouterie quand on a pris feu. Je vais lui envoyer un message quand même. Quoi? Mais attends, mais lui, il est mort. Il est mort. Il est né en 1847. Et il est mort en 1843. Comment c'est possible? De qui tu parles? Lui là. Born en janvier 1847. Mais il n'arrive même pas à lire personnellement, hein. J'ai pas mes lunettes d'Evo. 1347 et il est mort en 1849? C'est un dinosaure, wesh. Vous marchez sur une tombe, lieutenant? Et je pense que tout mal, toi mal lourd, hein, je pense. Hein. Moi je vois ça. Ça doit être la quoi, pierre déformée. Moi il arrive à lire le 23 janvier 20, 1300, quelque chose 5. Ou 1800 peut-être plus. Ouais. 1847. Ouais, je pense aussi, ouais. 1847. Et il est mort en 1843. 49 peut-être. Ah, 49. Et... il est mort à 2 ans. Ouais, c'est pas grave, ça c'est paradis, ça, normalement. Si en parlant de feu, il doit aller voir ma bijouterie, là. Et puis, là dégueulasse. Elle était fermée avec l'assurance, j'ai pas le temps de la rouvrir, qu'il doit la refermer. Il y avait la revendre, hein. Pour le temps de m'occuper. Bon, eh ben force à vous, en tout cas, monsieur. Vous me tenez au courant. Vas-y, viens. Marche pas sur les tombes. Tu vois pas, depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que je marche sur les morts. Je marche sur les tiens, moi. Mais y'a personne qui est mort chez nous. Tous ah ouais? Les soldats sont encore en vie. T'es sûr? Bah, à part la grand-mère et tout, mais vas-y, marche-lui dessus, hein. Elle doit être désossée en bas de la tombe. Tu vois, quand tu meurs, après ton corps, il se décompose sous la terre. Ouais. Et tes os, ils se mangent ou pas? Mes os, ils se mangent? Ouais. Comment ça, mes os, ils se mangent? Genre, les bêtes, ils mangent les os ou pas? Ouais. Non! En fait... c'est pas les bêtes qui mangent les os, c'est genre... les plantes, je crois, qui mangent les os un peu. Qui les grignotent. Ou genre les termites, trucs comme ça. Usent. Ouais, je crois. Aéroport, il y a les darons de Titouan. Ok. Tu y vas, t'es le premier ami. Moi, je suis le mec qu'on a croisé. Les gars, venez toi, fils de pute, on va te charcler. Okay. Attends, mais ils sont où à l'aéroport? À l'aéroport, elle m'a dit on va prendre la. Commence à go vers l'aéroport là, nous. On commence à y aller. Je lui dis que j'avais un cadeau et qu'elle devait m'attendre. Je suis vraiment pas loin de l'aéroport moi en plus là. Eh ben, commence à y aller, tu dis ouais, t'es pas au courant. T'sais, là, elle pleure et tout, elle dit ouais, mon fils et tout. Toi, tu rentres, tu dis ouais, j'étais le meilleur ami de Titouan. Ouais, elle me connaît. On m'avait prévenu que je suis sur la route là. Allez. Ok, à Skip, y'a les parents de Titouan là. Donc, du coup, le daron là qu'on cherche. Qui sont à l'aéroport là. C'est pas non, c'est pas Leon ça. Ah d'accord, ok. Ça va? C'est qui? Non, ça va pas du tout. C'est Kenan, c'est moi le meilleur pote de Titouan. Oui mais Kenan, j'ai appris des choses et je suis
et je suis très en colère. J'ai Quoi hésité à te tuer, mais finalement j'ai choisi de prendre mon jet privé et de rentrer ainsi. Pourquoi ? Parce que tu... Mais est-ce que mon fils, elle est décédée ? Ah, il y a un monsieur qui vient aussi, m'a mis un cadeau pour Titouan pour son départ. Mais quel rapport avec moi ? Oui, je suis sur la piste, moi je suis à côté de mon jet privé. Avec... Ok. Oh, le pétard. Ah, de quoi on parle, de quoi on parle ? Est-ce qu'on parle Parce de ce pétard ? Ou est-ce qu'on parle de ce pétard ? Tu étais la dernière personne à... Bah oui, justement, j'avais pas ton numéro, j'avais rien. En gros, hier on s'est fait... On était à côté du Burger Shot, là où on se voit d'habitude. Il y a des mecs qui sont venus, ils nous ont attrapés, on a réussi à prendre la fuite et après j'ai plus de nouvelles en fait moi de lui. Bah de base quand il a fui, il a sauté dans l'eau. Ouais, en gros on est parti dans l'eau lui et moi. Après on était bien et ensuite je l'ai déposé, j'ai plus de nouvelles. Tu m'entends madame ? Ouais, bah, tout le choc encore. Hein. Monsieur, vous m'entendez ? Est-ce que tu m'entends là-haut ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Je te disais... Marguerite ! Attends. Laisse-moi parler à ce monsieur, parce que là, tu sais, l'heure est très grave. Tu es la dernière personne avec qui il était, et tu étais censé toujours le protéger. Eh ouais, je sais. Moi, je me suis posé la question suivante, est-ce que tu n'étais pas jaloux de la relation que mon fils avait avec ta petite amie ? Mais madame, non. Parce que tu sais que quand même, il est parti au paradis sans jamais avoir embrassé une fille. Et je ne serai jamais grand-mère. Je ne serai jamais mamie. Vous n'avez pas d'autre enfant ? Avec une fille qui est décédée. Ah. Bah, vous en refaites un et vous attendez qu'il pousse. J'ai 53 ans, mon bon monsieur. Maintenant, ça suffit. Madame, vous êtes encore très bien pour 53 ans. Il pesait 7,5 kg à la naissance. C'est très, très lourd. Vraiment, vous pouvez en refaire un là. Vous aidez même. Madame, je suis sûr que vous aurez pas de mal à en faire un troisième avec les atouts que vous avez. Comment ? Ça m'a coûté très cher, merci. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vu, il y avait ses gardes du corps. Et même ses gardes du corps, ils ont pas réussi à nous protéger. C'est-à-dire, moi, je veux bien que ce soit mon ami et que le jour où ils se tapent avec trois mecs, je puisse le défendre, mais... Voilà, je peux pas. Écoutez, là je suis en deuil, je suis soudain en état de choc, mais je peux juste vous dire une chose, c'est pas parce que je m'en vais que je n'ai plus d'œil sur Liberty City. Normal. Je saurai qui a fait ça, et cette personne paiera. Normal. Je saurai exactement qui a fait ça, c'est très gentil. Si vous me dites que vous n'avez rien à voir et que vous-même vous étiez pris dans un traquenard, je vous donne bonne parole. Je vous crois. Tu vas, chérie. On va y aller. Le monsieur, je crois qu'il avait quelque chose à donner pour Titus. On va rapatrier son corps en Europe. C'est du rock ça, non ? C'est des moments d'émotion, vous comprenez ? Ouais, des moments d'émotion, il y avait tout le temps de faire ça, ouais. Faire à son âme. Faire à son âme. Ça m'attriste. C'est un bon petit. En tout cas, ce monsieur Balthazar, je ne sais pas si vous connaissez de près ou de loin, mais si vous voulez pas être le prochain comme Titus, je vous conseillerais de l'avoir à lui, celui-là. Ce petit salopard, on lui a bien cramé sa bijouterie. Ouais, c'est vrai ça, mais vous le voyez mon pistolet dans ma main là ou pas ? Je vois le mien aussi. Tu le vois ? Range ton portable, range ton portable. Avec les cheveux roses, tu vas me suivre s'il te plaît. Et ouais. Toi, Marguerite, tu vas me suivre. Les masques tombent. Je suis désolé Marguerite. Mais j'ai mon jet là. Viens Marguerite, viens. Viens. Toi, cheveux roses, tu montes avec moi. Je laisse ma valise. Toi, tu gardes la valise, mon chéri. Viens, cheveux roses, tu me suis à moi. Oblige pas à le ressortir s'il te plaît. Viens. Avance. Monte dans le skater. C'est ça. Tu montes dedans. Va à l'arrière, Passe-moi ton téléphone. Je mets dans la boîte à gants là. Chef, on a vite fait un petit rendez-vous, on va boire un petit café. Y'a rien de dangereux sur toi ? Ouais, j'ai juste un pistolet. Enlève le chargeur. Ah, ok. Dans la boîte à gants. Voilà, c'est bon. Comment tu t'appelles toi, chef ? Moi, c'est Tony. T'es le père de Titouan ? Ouais, c'est ça, c'est moi qui l'ai élevé. Ouais. Bah, c'était une personne formidable. Et vraiment, je vous le dis de la manière la plus sincère possible. Bah, je sais, je vais tout donner. Ouais. Je suis vraiment triste et désolé d'être mêlé à ces histoires et j'aurais bien aimé ne pas en être, mais malheureusement, la vie, on contrôle pas ce qu'on veut. Ah, comment ça ? Titan, c'était mon ami et ça me fait chier de jouer dans ce camp-là, quoi. Mon téléphone qui sonne, je l'ai avec moi dans la voiture, ouais, tu peux raccrocher. Je le ramène où ? Bah, le père de Titouan là.
J'essaie de trouver un endroit et un moment la position, j'arrive. Comme hier? Hier, si, éventuellement. Ou à l'endroit parachute, sinon. Si, c'est bien ça aussi. Bâtiment parachute? Super. Vous pouvez m'envoyer la poste du bâtiment parachute parce que je suis plus sûr de là où c'est. Si, mais faut que j'y aille avant. Ouais, s'il vous plaît. Non, skatepark, non, non, skatepark c'est pour moi ça. Ça sera pour une de mes scènes à moi. Qu'est-ce que vous voulez encore, bordel? Oh putain, j'ai plus d'essence. Apparemment. T'as un petit peu de sous sur toi là, Aylan? Aylan? J'ai de la main pour ce voilà. Ouais, faut que je mette de l'essence. Vous êtes dans des problèmes. Oulala, oulala. Ça va? C'est bon? Ouais, ça va. C'est un des problèmes qui me dépasse et moi je suis juste un homme de main qui fait ce qu'on me dit de faire. Ouais. Bon, on voit la poste d'où tu vas? Bâtiment parachute. Je vois pas c'est où, mais vas-y, envoie-moi la poste direct. Et j'y suis pas encore. Mais tu pas le bâtiment parachute? Toi là? Ouais. Ça va, pas de problème. C'est bon, vas-y. T'as un peu de monnaie s'il te plaît? Merde, j'ai oublié comment je t'appelais. Moi c'est Tony. Ouais, j'ai... C'est lequel celui-là? Lui c'est le père? Oui c'est le père. Oh bordel. Allez avance, viens. C'est comment ton petit nom à toi? Moi c'est Tony. Tu vas me changer cette allure là, tu fais trop le fier. Comment ça? Et avant jusqu'au bout de la planche là-bas. Un poids d'équilibre, un problème d'oreille interne, je pense. Tu veux parler de la bijouterie? Non, mais sûr, c'est très parce qu'il y a que, il y a que avec qui je suis en embrouille, entre guillemets, ouais, la ATM. Notre cadeau d'adieu. Et adieu, vous partez quelque part. Et tout, bon, il a essayé de m'appeler. On a perdu, donc on a plus rien à foutre ici, quoi. Devant chez eux. Oui, autre chose que vous avez pas perdu encore. Et eux, ils aiment trop s'en prendre à ma sœur. Tu veux parler d'eux? Bah, le fond, là, pas non plus. C'est pas ce qu'il m'a dit avant qu'il nous mette une balle dans la cabesse. T'as encore tué mon fils? Ah, pas directement. Mais... Allô? Lolo? Oui? Ventura, on était tout à l'heure à l'église. Ouais. Qui vient de déposer au quartier en mode urgent, ils veulent ton numéro, fais gaffe à toi. Qui? Attends, répète. Les flics viennent de débarquer, dérapage tout ça au quartier en mode... Kenan, ouais c'est ça, qui veulent ton numéro et celui de Lion. Ouais mais je crois qu'il y a ma soeur qui s'est fait kidnapper par un mec en rouge. En tout cas il cherche partout pour une affaire à ce qui paraît donc. Ok, essaie de voir si jamais tu t'as pas des infos sur ma soeur s'il te plaît. Vas-y on va regarder ça. Vas-y. On va attendre sa femme hein. J'ose pas trop m'asseoir. Si assieds-toi, tout sera mieux, tu vas voir. Kenan, dis-lui qu'on est mieux assis là-bas. Moi je suis resté debout mais après... Si, ça t'a pas bien réussi, du coup. Ouais, non. Plus confiant, ainsi. Pas trop. Et si. Si, alors comme ça, tu appelles la guardia, tu préviens, quand c'est que tu as prévenu que tu t'es fait kidnapper. Comment ça? Si, il y a mes collègues qui se font poursuivre par la police, il y a son nom qui a fouetté, et le tien aussi, Kenan, tiens. Qu'est-ce qui a fouetté? Ton nom à la guardia. Ah bon? Attends, lui il a appelé les keufs là? Bah lui ou sa femme, un des deux. Non, ça peut pas être lui. Ah non. Oh putain, il y a les keufs, ils sont là. Oh putain, ouais. On les a mis tout à l'heure pour dire qu'on partait à l'aéroport, mais on leur a pas dit. Oui, les keufs là, ils étaient devant chez moi en plus là, il y a pas longtemps. Si, bah là, et nos amis, ils sont en train de se faire poursuivre par la police, ils ont été avertis, c'est ce qu'il m'a dit. Et que vos deux noms ont fouetté, hein. Putain. Aïe, ça aurait pu tellement bien se passer si vous aviez lâché ce putain d'œuf qui m'appartient. Maintenant, tous les jours, il faut que vous remettiez une couche, vous comprenez jamais la leçon. C'est mon père, il m'a dit qu'il était toujours dans la famille chez nous. Si, mais ton père est un bandit, écoute. Hein. Oh non, ça c'est tout sauf un menteur, il travaillait à CIA, c'était un mec très respectable. C'est très respectable, hein. Il est encore de ce monde, ton père? Non, il est décédé il n'y a pas très longtemps.
Ah, c'est malheureux. Bah, c'est la vieillesse. C'est la première fois que on m'annonce la mort d'un Zoulet que je n'y suis pour rien. Quoi, c'est vous, c'est Zinedine? Je crois que Zinedine, vous ne l'avez pas pour le rien. D'après ce que tu es toi emmené, c'est une sale ordure. Bah, il est un peu responsable de la mort de ma mère, quoi. Si. Tu sais, ton fils, c'est pareil. Il est responsable de la mort de sa mère. Ah ouais, je connais votre fils. C'est un gars très bien. Non, c'est une erreur de la nature. Ça sera un futur con. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais il va falloir qu'il se sorte les doigts s'il veut s'en sortir. Et qu'il arrête de compter sur sa sœur pour le sortir de la misère. Du coup, une voiture bleue dans le style Lincoln qui contiendrait l'œuf actuellement. J'ai besoin de la position de cette voiture. Arrête de tomber, Pendero. Bah, la voiture actuellement est à l'aéroport, mais elle est vide. C'est une voiture bleue qui ressemble à une Lincoln. Ouais, elle est sur le parking de l'aéroport et là où ils ont attrapé vos. Yann, tu as fouillé la voiture ou pas? Non. Faudra aller faire un tour après, hein. Tu m'as cramé ma billetterie, hein. Ça fait 3 semaines, elle est aux arrêts. Ouais. Ouais, Kenan, il y a un gros problème. Quoi? T'as le CP, tu te cherches. Mais par rapport à ça, là? Il paraît que t'es porté disparu. Que je suis porté disparu? Pour moi, ils ont dû balancer que t'étais avec eux et... Qui eux? Eux là, le père. Sur... Mais moi, c'est impossible qu'il appelle les keufs, le père. Je te jure qu'ils sont passés au quartier. Oui, mais ça doit être pour un autre truc. Attends. Non, pour ça, je crois que c'est pour ça, pour la famille. Ok, mais qui aurait pu appeler les keufs? Mais gros, je sais pas. Je suis en train de voir là. Vérifie le tête de la daronne. Attends, je te rappelle qu'il y a un. Attends, ça te parle. T'es comique, hein. Du coup, tu sais si sa chère et tendre va nous rejoindre ou c'est un tendu là-bas? Tu sais si sa chère et tendre va nous rejoindre ou c'est tendu? Je crois qu'ils sont encore en course poursuite là. Donc vous allez les aider? Comment je fais pour... Tu vas aller les aider? Tu sais conduire une voiture? Non, t'en fais pas. Hein. Kenan, garde un œil sur lui. Viens avec moi, petit. Putain. J'espère que c'est pas toi qui as prévenu les keufs, hein. Oh non, je vous ai dit, on les a vus avant de partir quand on était au poste. Ouais. On leur a dit, on se casse, quoi. Après, s'ils ont surveillé qu'on partait à l'aéroport, j'en sais rien, moi. Puis vu qu'on a fait un tweet sur... pour appeler l'autre, peut-être qu'ils ont voulu nous interroger. Après, qu'est-ce qu'il fait en bas? Pourquoi il est en bas maintenant? Qui? Mais il vient de voir en bas, il était assez en bas et pas sur la planche, je comprends. Ah non, il est assis là. Si, ok, il est là. Bon, je vais faire un effort d'imagination, alors. Ah bah ouais. Non, voilà, si c'est bon, parfait. Ah, tu sais que si mes amis là-bas s'en sortent pas, ils vont te forcer à sauter, hein. Tu vas prendre l'avion, mais sans avion, Pendero. Mais vous savez toujours pas où est l'œuf? Bah, il reste encore du bon envie pour trouver l'œuf. Mais visiblement, tu ne sais pas où il est, alors pourquoi il te garderait en vie? Kenan, trouve-nous une raison pour qu'il reste en vie. Bon, bah, j'ai tout pris, j'ai pris mon fils, mon frère. Non, on n'a encore pas pris ta femme, mais ça va pas tarder. Ou alors je te garde en vie et j'attends que je l'ai entre les mains pour la torturer lentement devant tes yeux. On peut faire ça aussi, il y a la manière douce. Il y a la manière douloureuse. Je préfère encore sauter. Celle où je prends un économe et qu'il épluche la peau de ta femme jusqu'à qu'elle décède de la douleur intense de sa peau lacérée. Oh, mais je vous laisserai jamais ce plaisir. Ah, c'est pas parce que tu meurs que je peux pas le faire. Oh, moi, je serai pas là pour le voir. Et comme par là, tout le monde habillé en rouge, là, frère. C'est égoïste comme pensée. Plutôt que d'essayer de trouver une alternative pour qu'elle échappe à ce destin, tu préfères sauter pour faire l'autruche. Toi, une personne très égoïste, c'est comment c'est ton nom d'ailleurs, toi? C'est Tony, moi.
Tony? Ouais. Tony Zoulé. Le patriarche de la famille. Un acteur en chef, ouais. Les idées nines, ouais. J'ai perdu la meuf. Comment ça? Ouais. Les keufs, ils font des barrages partout, impossible de passer, à la moindre blonde qu'il voit, ben il la récupère. Comment t'as perdu la meuf? Je t'ai expliqué. Meuf, elle descend de la voiture, elle monte sa pièce d'identité directement. Vous voulez, parce qu'on a changé de voiture, on a tout changé. Et du coup, elle s'est enfuie là? Quoi, avec les keufs? Là, avec les keufs là? Mais gros, c'est. Ils ont bloqué toutes les voitures et toutes les blondes, ils faisaient descendre toutes les blondes. Ils ont perdu la femme? Perdu la femme. Oui. Je suis mort. Comment ils l'ont perdu? Putain. On peut perdre des clés, un téléphone, comment? Je sais pas, apparemment il y avait un barrage et elle a couru sur les keufs. C'est ça en gros. Ça c'est bien la femme ça. Je suis mort. À trouver des solutions, ne t'en fais pas. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que je fais de ces trous de balles. Bah, on le tue, non? Je crois qu'il apprécierait trop cette facilité. On va le pousser, Kenan. T'as foutu dans la merde, ton nom a fruité, et tu vas peut-être passer le restant de tes jours en prison à cause de ses coups de balle et de sa famille. Ah, tu veux devenir un meurtrier? J'en suis déjà un, chef. Ah, toi, tu tues des gens, toi. Il tue pas des gens, il tue ton fils. C'est pas pareil. Non, ça, c'est pas cool, ça. C'est toi qui as tué mon fils? Mais il m'a forcé. Ah, donc toi, on te force, donc tu le fais, quoi. Ouais. Alors, t'aurais pu avoir tout pour toi? C'est avec moi qu'il aura tout. Parce que t'auras jamais. Tu vas faire quoi? Tu vas l'acheter avec des lingots d'or comme tu fais avec toute la ville? C'est ça votre façon de faire? Tu crois que tes lingots d'or ils vont faire quoi là? À part te précipiter dans le fossé plus vite à cause du poids. Tu veux vraiment savoir la vérité? Vas-y, t'écoute. Fais-nous ton show. Bah, hier Titou il était carrément prêt à lui donner l'œuf. Pour vous fumer vous. Il y avait deux coups d'avance. D'ailleurs, il t'a pas donné des clés de voiture? Moi? Je me suis même pas occupé des enfants. Non. Aïe. La famille est une véritable plaie pour cette ville. Vous êtes originaire d'où à la base? Vous n'êtes pas d'ici. Ça se sent l'odeur nauséabonde. On vient du Texas, on est des vrais. Ah, si, c'est bien cette odeur. Le Texas, ça pue. J'ai envie de vomir à chaque fois que je hume ça. Regarde-moi cette allure, ça n'a aucun sens, on dirait un ficello. Qu'est-ce que c'est que cette couleur des cheveux là? Ça c'est pour ma femme, elle adore ça. Et moi, tu n'es pas si égoïste que ça là, fin de compte. Je fais tout pour elle. Et maintenant je la sens en sécurité. Tu crois qu'elle est en sécurité vraiment? Tu me donnes combien de temps pour lancer les paris pour remettre la main dessus? Je passe un coup de fil à Caio Perico, il y a un hélicoptère de combat qui arrive et me rase le poste de police. Ce serait pas mon avantage d'utiliser ces méthodes, mais s'il le faut, pour aller la déterrer, l'enserrer où elle s'est planquée, je le ferai. Ouais, en tout si cas, je dois bombarder cette putain de ville au napalm, je le fais. C'est que même si ça pas... déclenche une guerre entre les États-Unis et le Mexique, je m'en fous. Je t'écoute. Tu vas aller dire quelque chose intéressant, j'espère. Ouais, je veux dire qu'elle, elle sait pas où elle est. Oui, ça tout me fait bluffer. Par contre, ce que j'ai sûr, c'est que je sais que toi, tu ne sais pas où elle est. Moi, je sais très bien où elle est. Il était dans une voiture bleue, à l'aéroport, dans un parking. Et maintenant, bah, bonne chance. Laisse la gravité faire le travail. On n'aura pas à te salir les mains, Kenan, ce soir. Bon, on se casse avant que les poyos arrivent pour
Les gens vont appeler parce qu'il y a un cadavre qui est tombé au ciel. Venez. Putain, mais depuis que je traîne avec vous, il m'arrive que des misères. Rendez-vous à la billetterie. Je lui ai niqué sa voiture. Si vous savez où est la billetterie? Ouais. Ouais, okay, chef. On y va. Okay, on y va, non. Qu'est-ce que ça, mais... Ouais, Liane, il me répond plus, frère. Mais non, 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 mais c'est pas voiture bleue à l'aéroport, c'est faux. Je crois qu'il leur est arrivé une dinguerie. Ah, eux là? Ouais, ouais. Ça va, il se passe quoi là? On a fait un braquage du super et on est en cavale, en cavale, en cavale. Vas-y, force. Mais pas dit un mec en rouge, un mec en blanc? Ouais. Ouais, y'a quoi? Quoi, y'a quoi? Non, tranquille, j'ai vu que tu tournais à côté du restaurant, c'est pour ça. Ouais, il est ouvert là? Parce que l'autre il m'a dit. L'autre il m'a dit un mec en noir et un mec en blanc. Un mec en rouge et un mec en blanc. Mais je sais pas si je vais trop vite en besogne. Comment ça? Il t'a dit quoi, un mec en rouge, un mec en blanc? Qui m'a attrapé Asya. Asya, il s'est fait kidnapper là. Ah, maintenant là? Ouais. En fait, si jamais il y avait pas eu les mecs à gouler, t'as vu, je serais pas allé aussi vite en besogne. Et une shafter. Attends, attends. Faut les braquer, ouais, shafter rouge et blanc. Vas-y, je me mets ma cagoule. Putain, arrêtez de m'appeler! Oh les gars! Les gars? Ouais. Remonte. Putain, vas-y, va devant. Non, conduis. Vas-y. Je peux pas les clés, j'ai pas les vas-y, clés. Vas-y, conduis. Sa mère. Putain. Ils ont pris à gauche là. Ouais. Donc je vais faire ça. Regarde à droite, ils sont à droite ou pas? Non. Ils sont à droite ou pas? Non. Ils sont à droite, ils peuvent. Là, reste du groupe. Le reste, ils sont là, le reste. Non, mais va sur la shafter. Putain, mais on l'a perdu. Redonne-moi le volant. On a pas le double, sa mère. Redonne-moi le volant. Ah, mais je t'ai dit, il y avait le reste de leurs collègues, tu m'as pas calculé. Oui, mais là, moi je veux là où ils étaient garés, eux. À la base, ils étaient garés où? C'était derrière, là. Gauche. Arrête, droite, il y avait un restaurant ou un truc comme ça, non? C'est pas après, là-bas, à droite, le resto? C'est par là, non? À gauche, peut-être? Ouais, c'était là, non? Ouais. À droite, même, là. Non. On va voir, c'était ici là. Sûr que c'était par là. Tu sais que t'avais vu des gens toi? Ben là ils étaient là. Depuis tout ce qui s'est passé avec toi, je... Tais-toi. T'as pas trouvé? Chut, parle doucement. T'as vu la petite descente là à droite là? Mais je crois que j'ai entendu. Parle doucement. Hein. Ouais. Là ils sont là-dedans, j'ai entendu, assure. Ouais, moi aussi je l'ai entendu, c'est pour ça. Il y avait des mecs à gouler dedans, mais j'en ai vu au moins un, deux ou trois. Ah, y'a Lazare là en face. Où? J'ai entendu sa voiture, je reconnais le moteur. Ça sort pas de là. Ça sort pas de là. Ça va pas sortir de là. Hein. Je vais pas lever mes mains. Arrête. Pourquoi tu me cours dessus? Pourquoi tu me cours dessus? T'es ridicule. Recule. Je m'en bats les couilles. Je peux même être tout seul. Je m'en bats les couilles. Recule. Ça va partir en bête sans pourrir. Je m'en bats les couilles. Je vais pas m'arrêter. C'est ma sœur. Recule. Va là-bas. On va discuter, s'il te plaît. Mais ne me cours pas dessus comme ça. Je m'en bats les couilles. Je vais mettre la moitié d'un. Tu veux quoi? T'es qui? Parle plus fort, t'es qui? C'est qui ça? Ils sont avec moi, eux? Ouais, t'inquiète. Ah, voilà, bah je suis plus tout seul. T'es qui ça? Je suis plus tout seul, c'est tout ce que t'as à savoir. C'est ça. T'es qui, espèce de salope, va, tu t'en prends aux meufs? C'était sûr, y'avait qu'une salope comme toi pour s'en prendre à ma soeur. Petite chienne, va. Ah là là. À partir du moment où vous êtes des donneuses de go, je vais coacher. Je donnerai plus le go, je vais te buter là maintenant, là, petite salope. C'est ça, petit du tir, mes amis vont la tuer. Ça serait bête si tu tiens à elle. T'es une chienne. T'es pas un homme, toi. Toi, t'es pas un homme, toi. Toi, t'es pas un homme, tu t'en prends aux femmes. J'essaie de faire de toi un grand homme. Appelez tout le monde, il va pas sortir de là. Eh ben, on va rester là toute la nuit. Moi, j'ai grave le temps. Je suis à l'aise. Nous avons grave le temps, nous aussi. C'est bête, toute cette histoire. T'es une chienne. Pourquoi je t'en prends pas à moi? Parce que j'avais des choses à lui demander. Eh? J'avais des choses à lui demander. T'avais quoi à lui demander?
Vas-y, dis-le-moi, je suis en face de toi. Et là, c'est un peu difficile. Dis-le-moi, je suis en face de toi, espèce de salope. Non, mais baissons nos armes. Et la guardia va arriver, on va tous rentrer, on va tous prendre perpète pour rien. Je baisse pas. Donne-moi les baisers, tu vois. Parce que là, c'est beau. Tu lui voulais quoi, ma sœur? Je lui ai posé des questions. Sur quoi? À ce qui m'est arrivé. Pourquoi je l'appelle pas? T'as pas son numéro de téléphone? Pourquoi t'envoies des gens armés? Espèce de salope, va. J'ai envoyé personne, c'était moi. Ah, t'as envoyé personne? La shafter bleu marine avec le mec en rouge et en bleu, c'était toi aussi, ça? C'était la mienne, ouais, c'était mes hommes. Ah, c'était toi, donc du coup, c'était toi qui les a attrapés. L'a attrapé. T'es une salope, Neto, t'es une salope. Oui, la plus grosse des salopes, elle est devant moi, elle m'a donné. Oui, elle est devant toi et elle va continuer à donner des go, t'es une salope. D'accord, y'a pas de soucis. On va pas reculer, personne va reculer. Toi, tu pars pas, il part pas, hein? Il part pas. Elle va mourir. Laisse-la partir parce que sinon personne va bouger. Je vais être con. Oui, je te jure, je vais être con. Non. Elle avance vers moi maintenant. Non. Oh là, on parle de la famille. Là, on parle pas d'un ami. C'est la famille. Elle va avancer et personne ne bougera. Personne ne bougera tant qu'elle est pas à côté de moi. Je suis parano. Je suis un fou. Je suis un malade mental. Elle avance vers moi. Écoute un peu. Vas-y. C'est simple, on va la relâcher avant de monter dans la voiture. Tu vas la relâcher maintenant. Pneu crevé. Et ça va partir en fusillade bêtement. Tu vas la relâcher maintenant. J'ai dit, moi je veux récupérer. Moi je veux juste récupérer ma soeur, je veux pas te tirer dessus. Donc maintenant, elle sort. Et voilà, y'a les keufs maintenant. Allez, dépêche-toi, trouve une solution rapidement. On fait comment? Vous êtes grave con, j'ai dit quoi? On baisse les armes. Tant pis, on est con. On est grave con. Maintenant relâche-la et je te casse. T'es fini, Neto, t'es fini. Vas-y, dépêche-toi avant que je change d'avis. Dépêche-toi avant que je change d'avis. Dépêche-toi. Assia, tu le. On ne va pas la prendre. Elle ne vient pas avec toi. Vas-y, reste là, Assia, reste là. Une salope, Neto. C'est toi la reine des salopes, tu donnes des gens en go. Je vais continuer à le faire. Tu dormiras pas, c'est tes deux oreilles tant que je suis en vie. Vas-y, viens, recule, Assia, recule. Reste collé à moi. D'accord. Espèce de salope. Barrez-vous là. Vas-y, suivez-moi. Je te mets dans la boîte à gants. Putain, comparateur. C'est trop. Vas-y, c'est bon. Monte. Boîte à gants. Il te voulait quoi? Il voulait absolument savoir tout ce que vous faisiez. Et il m'a dit que j'étais la donneuse de go pour le coup de pompe qui s'est pris devant la maison la dernière fois. Il a dit que c'était moi qui leur avais dit de venir au H-Block. Pourquoi c'est une salope comme ça ce mec? Pourquoi c'est une salope? T'as à dire qu'il est curieux. C'est de ma faute, je te jure, la dernière fois qu'il a voulu parler avec moi, je me suis pas laissé faire. Ça n'a rien à voir. Il est venu me parler quand vous étiez pas là et... Tu lui as dit quoi sur nous? Je t'en voudrais pas, ouais. Tu peux me dire, hein, je veux juste savoir ce que tu lui as dit. En gros, je lui ai dit que... Pardon, attention. Excusez-nous, pardon. Tu lui as dit quoi? Je lui ai dit que... Attends, Léon, il m'appelle, attends. Ouais. Okay. Il est derrière. Hein? Il est derrière. Okay. Je vais au Bénise là, je vais réparer la voiture. Ok, moi je vais rendre la voiture à Saint-Lazare. Vas-y, on se rejoint au quartier de toute façon. Vas-y, continue. En gros, il m'a dit que c'est grâce à lui si on mangeait, qu'il a essayé. Putain, de. Putain, on me rappelle, désolé, même moi ça me casse les couilles. Ouais, allô? Ça dit quoi? C'est bon, je l'ai récupéré. C'est les 13, ils s'en prennent ils s'en prennent à ma soeur tout le temps. Ma soeur. La position que je t'ai donnée, tu rentres dans le garage avec la voiture. Ok. Vas-y, continue, dis-moi. Au début, il faisait tout pour me faire sortir de mes gonds. Oui. Pour me dire que, en gros, qu'il vous a proposé le trône, vous en avez pas voulu, il voulait pas des soldats. Et il m'a reparlé de ce jour où tu sais, ça s'est passé. Chef, il faut que vous me répariez ma voiture en urgence, je suis ultra pressé par la montre. S'il vous plaît. Les fils de pute qui s'en prennent à ma sœur. Ça va, Maïline? Si, ça va, toi. Ça va, je suis énervé. C'est ton moteur que... Comment? Juste le moteur? Ouais, jusqu'à son état qu'elle roule, quoi. Oui. Hop, nickel. Il m'a pété l'arcade, ce fils de pute. Oh, je vais niquer sa mère, frère. Heureusement, j'avais pas vu. Fais attention à toi. Hein, ouais, je te tiens en courant. Laisse-la ou je te suis? Laisse-la là, en vrai, c'est mieux. Qui voulait. Il voulait faire de vous des... En fait, il m'a reparlé du jour où ça s'est passé, tu vois. Et du coup, je l'ai confronté. Je lui ai dit non, mais c'est complètement débile parce que s'il l'avait pas fait, il était remonté dans cette voiture et qu'il était parti. En gros, je lui ai dit qu'il t'a proposé ce plan en sachant très bien que t'allais le faire, tu vois, et que t'étais loyal. Ouais. Il m'a rionné en me disant que c'était exactement ça, que j'étais super intelligente, qu'il savait que t'allais le faire. Et c'est là où j'ai été un peu méchante avec lui. Je lui ai dit qu'il nous avait rien donné, que c'est pas notre père, et que tout ce qu'il dit vous avoir donné, vous l'avez mérité,
vous avez travaillé pour ça, et je lui ai dit que vous, vous étiez des soldats, que de toute façon vous auriez obéi à tout ce qu'il vous aurait dit. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Il m'a dit, dis-moi absolument tout ce que tu sais sur tout ce qu'ils font en ce moment, sur quoi ils sont. Je suis désolé, j'aurais jamais dû le parler. C'est pas ta faute, c'est pas ta faute. T'aurais dû me dire que c'était pour les trades. J'avais pris plus de précautions. Mais j'en savais rien, moi, c'était qui, moi ? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la merde, là. Pourquoi ? C'est la merde de fou, toi et moi, je sais pas, on est dans quelle merde. Les flics ? On est dans une merde ouais, de baiser mental. Putain, la meuf, elle a parlé. Et forcément, elle est partie, elle a parlé, c'est normal, ouais. Elle a parlé, mais avant ça, ils étaient au courant de ton prénom, de mon prénom. On était, ils savent qu'on est à l'aéroport et qu'on a pris les parents. Toi et moi, les autres, il n'y a pas eu Aylan. Ils sont venus au quartier 18, ils ont dit il est où Léon et il est où Kenan. Les gars des 18, ils ont dit je sais pas, ils sont pas ensemble, mais je sais pas où ils sont. Vu qu'on n'est pas partis une fois ensemble. Et moi en plus, quand ils ont pris la meuf, elle était avec moi. T'as vu, moi encore, ça va, la meuf elle a encore envie. Ah ouais, mais lorsqu'il n'est pas en vie là. Il n'est pas en vie. On va trouver vite une solution. Ah, je suis mort, je suis finito. On l'a bien kiffé. On a vécu des bons trucs, non ? Parce qu'en soi, la preuve qu'ils ont, ça doit être un message. Ou non, un appel. Je suis finito. Le cas, c'est se servir des téléphones là et appeler en anonyme. Non, on peut pas. Si, on peut, il reçoit des appels anonymes des fois. Mais je sais pas comment on fait avec cette technologie. Ah si, ok, il faut que t'envoies un message. C'est quand tu l'as dans les messages, tu fais clic droit, enfin tu cliques droit avec ton avec ta main droite et tu fais appel anonyme. Des messages. Ah ça va ? Mais pour ça, il faut qu'il envoie un message. Ouais. T'envoies un message, tu marques anonyme. Vas-y, tu crois après. Mais de toute façon, c'était sûr que c'était Leto. Qui d'autre va s'en prendre à une meuf ? Dis-moi juste. Non, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment tout le monde. Il n'y a pas un qui s'en est pris à Sia là depuis. Deux fois. Deux fois, on s'en est pris à Sia, deux fois, c'est Leto. Et il lui a posé quoi comme question ? Ce qu'on faisait, ce qu'on devenait, ce qu'on trafiquait, avec qui on traînait. Tu l'as dit quoi, toi ? Je lui ai dit, que j'étais au courant de rien, que... De toute façon, en plus, t'es vraiment au courant de rien, toi. J'essaye de me mettre au courant de moins de choses possibles, justement pour ça, tu vois. Mais bon... tout ce qu'il disait... Il m'a lâché un gros coup de son camp à un moment, il m'a dit que j'étais une donneuse de go. Je crois qu'il se rappelle pas du date qu'il a fait exprès pour me faire planter par mon frère. Hein. Je te jure qu'il a de la chance, J'espère que tu peux faire avocat, parce que là, on va vraiment avoir besoin de toi, là. Comment elle a fait pour réussir à avoir autant une tête de rebeu ? Ouais. On fait quoi ? En fait, depuis le début, j'ai fait et tout le pour corps que ça aille doucement. Et là, il y a tout qui s'est accéléré sur sa mère. Comment ? Le corps du vieux, il est où ? Il a sauté, ce fils de pute d'or. Il est sur une route quelque part. Écrasé Simon. Par terre. On passe par Simon pour camoufler le corps. Juste une disparition. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien du tout. Non ? Attends, t'as des problèmes avec la police ? Non. Il est comment, Salazar, là ? On réfléchit à une idée pour s'en sortir, tu vois. Parce qu'il y a aussi, il y a plein de trucs, tu vois, derrière. Je suis fini, toi. En fait, moi, je veux savoir comment les keufs, ils ont été... Allez, Léon, je vais voir quelqu'un. Vas-y. Je veux savoir comment les keufs, ils ont été mis au courant. Il y avait des voitures quand t'es sorti, toi, ou pas ? Hein ? Nous, on est sortis, c'était vide. Oh, Kenan ! Ouais. T'as vu un moment quand tu l'as sorti, ton arme ? Je sais pas si t'as fait attention, mais il a sorti son téléphone pendant peut-être 15 secondes, 10 secondes. Zilayan, tu nous appelles, ouais, tu viens de te chercher. Vas-y. De toute façon, j'ai la voiture, Salazar. Salazar, j'ai pensé à un truc. C'est... Le corps de l'homme, il a été ramassé ou pas ? S'il est au milieu de la route, c'est qu'il a été... Je vais tourner sans personne en route, c'est une chien, attendez-vous à tout. Attendez. Non, c'est tellement tôt pour une cavale, là. On veut pas être en cavale, là. On veut pas être en cavale, là, ça. On a vraiment pas envie d'être en cavale là. Tu m'as appelé ? Putain de merde. Ouais, ça va, c'est carré. Hein. Allô ? J'attends qu'on sorte de là. Ouais, ça va. Parce qu'on va branler. Et là, y'a pas une salle de bain pour que tu te nettoies ? Quand j'ai une info, je t'appelle. Direct. Vas-y, mon gars. Va, on est dans. Voilà le bunker, je sais pas où on est. Il fait quoi, Salazar ? Il appelle qui, là ? Bah, il est en train d'essayer d'appeler la daronne, mais pas avec son numéro et pas avec un numéro qui est grillable après, tu vois. J'essaie d'appeler la grognasse, là, mais ça sonne dans le vide, elle veut pas décrocher, hein. T'appelles avec ton numéro ? Un anonyme. Je t'ai dit, une disparition, c'est mieux qu'un meurtre. Non, mais dans tous les cas, on est mort, hein. Je te dis la vérité, là. Ils vont le trouver, son cadavre, un jour, hein. Ah, mais si on le prend...
Après, moi, je donne à quelqu'un et t'inquiète pas qu'il va disparaître. Mais disparition, c'est oui, ok, d'accord, mais c'est servi en même. On est la dernière personne avec qui il était. Depuis tout à l'heure, il y a possiblement des gens qui ont contacté un homme blanc. Mais de là où il a sauté, c'est sûr qu'il. Oui, non, mais je pense qu'il s'est fait récupérer là depuis. Hein. C'est. Pour ta chance que. Tu veux que j'appelle un keuf là pour voir? Comment c'est? Tu vas appeler un keuf, tu vas lui dire quoi? Bonjour, est-ce que je suis non, mais recherché c'est lui. Pour non. homicide? Mais non, parce que tout à l'heure, ils sont venus au quartier. Donc moi, j'ai appelé Ace, je lui ai dit pourquoi je suis recherché. Il m'a dit non, c'est pas toi. Il m'a dit c'est Kenan, on n'a pas de nouvelles de lui, il est en disparition, tu sais, il est en état de disparition. Et je lui dis je te rappelle, tu veux que je l'appelle là et je vois ou pas? C'était un keuf. Voir la température. Ace. Vas-y. Je lui dis que tu m'as répondu ou pas? Non. Ouais, j'ai pas de nouvelles. J'arrive pas à l'avoir. Non, j'ai pas de nouvelles. Ok. Je crois que c'est important, il lui arrive un truc. Y a de quoi pour toi il est mort là, il faut que tu l'appelles. Tu lui racontes je sais pas quoi, tu dis qu'on est parti faire un truc entre père et fils ou un truc comme un... Je sais pas, du golf, je sais pas. Pêcher, on est parti pêcher. Kenan ? Ouais. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Sois à toi, quoi que tu fasses. Ouais, non mais ouais, c'était juste, il y en a un qui s'en est un peu pris à ma sœur, mais là c'est bon, c'est réglé. Ok. Et toi ça va? Je suis en train de discuter avec Walter au café. Ok, super, moi je pense que je vais aller faire un petit peu de pêche avec ton père. Si, entendido, si... Histoire de reforger les liens, t'en penses quoi? Perfecto. Si vous voulez que je vienne, tu me dis où et... Non, je pense on fait ça entre hommes, c'est bien. Faites attention à vous, hein. C'est bon, ça marche. Le coucou de ma part. Vas-y, mi attendar. A plus tard, mi cielo. Au revoir. J'ai une équipe efficace, hein, les gars. Alors, il t'a dit quoi, l'autre, au téléphone, là? Le keuf, il m'a dit si t'as des nouvelles de lui, c'est urgent. Faut que tu me dises. Et parce que ça peut être grave. Et une affaire en cours. Je dis quoi, il est mort? Demande son numéro. Je l'appelle. Ok. 745 tiré. Ah putain. Ouais. 407 tiré. Ouais. 45-36. Ace. Ben, je crois qu'il y a des mecs qui sont venus shoot chez nous. Ouais, allô? Et 45? Oui, c'est Kenan. Ah, c'est Kenan? Ouais. Oui, allez, je t'écoute. Ben, moi, je vous écoute. Écoute, il y a beaucoup d'agents qui te recherchent là actuellement. Il s'est passé quoi? Pourquoi ils me cherchent? Est-ce que tu peux te rendre au PDP? Ça dépend, pourquoi? Je sais pas, il y a des agents qui te cherchent du coup. Faut savoir. Vous appelez tout le monde, vous leur dites ouais, on cherche Kenan, mais on sait pas pourquoi on le cherche. Moi je me suis juste occupé de... Renseignez-vous et vous me dites, parce que moi là je suis en famille et si jamais faut que je vienne, je viens, mais si jamais donc, c'est pas la peine. Donc t'es en sécurité? Ah ouais, je suis en sécurité, ouais, j'ai eu des problèmes tout à l'heure, mais là je suis en sécurité là. Ok, tu es sûr t'es avec des gens de confiance? Je devrais méfier. Oui. Je devrais m'y faire de qui? Aucune idée, je vais appeler les agents qui s'occupent de ton enquête et de ce qui s'est passé. Dites-moi vite, là, vous m'inquiétez, là. Pas de soucis. Super. Tu te rappelles? Oui, vite. Ouais, il m'a demandé si j'étais en sécurité. Ouais, bah parce qu'il pense que toi, t'es mort. Je suis mort? Mais c'est pour ça, c'est contre Salazar, l'enquête. Attends, mais est-ce que je suis en vie, même? Ça se trouve, je suis mort? Faire passer ça? Moi j'ai déjà fait. Je vois qu'on a un autre problème pour ce soir, on va rien pouvoir faire. Hein. Quoi? C'est quoi le problème? Parce que la femme en question là est. Comme anniversaire, Richie! Plus du tout joignable pour la soirée. Mais il y a un autre. Il y a une autre information là qui va tomber. C'est que. Pour l'instant, le keuf il m'a demandé si j'étais en sécurité, il m'a pas dit que je suis arrêté, ouais. Il connaît ton prénom, elle connaît ton prénom dans la meuf ou pas? Ouais. Peut-être que... Je sais pas. Est-ce que... Ouais, c'est peut-être un piège, un guet-apens pour t'avoir. Hein. Non, mais parce que sinon, elle aurait dit, ouais, t'es où? Si t'es en sécurité, dis-nous. Non, mais en gros, le coffre, il m'a dit, moi, je suis pas trop au courant, mais il s'inquiète pour sa sécurité. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit mais moi je suis en famille. Il m'a dit t'es sûr que t'es entouré de bonnes personnes? J'ai dit je devrais me méfier.
Il m'a dit ouais. Vous voulez me faire? Ah si, c'est un coup monté avec Netto. Si, il est juste là derrière le rideau, regarde, surprise. De toutes les personnes qu'il y a autour, pourquoi tu regardes? Il n'y a même pas de rideau. Bah oui, je cherchais le rideau justement, je comprenais pas. Du coup, ça va être difficile d'opérer si cette bonne femme n'est pas joignable jusqu'à demain. Hein. Il me faut un alibi, bordel. Déjà, nettoyez vos téléphones. Mais genre, supprimez pas tout, tu vois. Genre, juste en mode... Oh, j'ai trop du cul. Quoi? J'ai tout supprimé. Ouais. Allô, ouais. T'as besoin d'un alibi pour quand? Parqué. Ah, voilà, pendant qu'on a attrapé des darons. Aujourd'hui? Ouais. Bah écoute, ça doit être ça. Attends, le keuf, il me rappelle. Ouais. Vas-y, Kenan. Vas-y. Oui. Du coup, tu peux te rendre après ton... Mais ça à propos de quoi? Ça à propos de quoi? Au PDP. Enfin, je me suis renseigné, c'est juste l'agent 52 qui souhaiterait te poser 2-3 questions. Bah, donnez-lui mon numéro. Je me suis fait kidnapper avec toi, je crois, Sia. Ouais. En fait, c'est ce que j'étais en train de réfléchir à ça, mais... C'est pas ça, t'es ma sœur. Pas le même nombril. Quoi? Ceux qui vous ont kidnappé, je crois qu'ils sont allongés au sol dans mon quartier. Quoi? Ouais. Comment ça? Bah, ils sont venus tirer. Mais on a entendu le cri tirer et on les a... Attends, c'est moi qui le tue, hein. Non, mais ça y est. Ouais, il est mort. Il y avait Netto. On sait pas, c'est cagoulé, on peut pas... Mais ça, en gros, ils sont venus, ils ont dit un truc qui nous ont dit, fait comprendre que c'était les 13, t'as vu? Après, ouais. On est pas sûr, mais ils sont au sol. Mais là, il y a pas... Ça, il est à l'hôpital et tout. Oh, ils étaient allongés il y a 5 minutes au quartier. Mais bordel. T'es sûr? Vérifie, dis-leur qu'il vérifie s'il n'y a pas Netto. Et comme ça, on appelle là. Je veux le filmer demain, s'il te plaît. Vérifie qu'ils ne sont pas encore à l'hôpital. Yann. En gros, sors ton téléphone là. Oui, 2 secondes. Voilà. Vas-y. Salazar, c'est toi l'homme intelligent. Nous, on est des. Moi, je suis un. Nous, on est des cons, nous. Mais pour moi, la solution, elle est toute faite. Hein. Quoi? Moi j'appelle Onjet et il rentre à Cayo Perico. Super, et moi t'appelles Onjet, il m'amène où moi? Je sais pas, tu veux aller où? À Los Angeles. Et je peux t'avoir un vol pour Los Santos? Non, Los Angeles. Los Santos? Angeles. Santos? Non, Los Santos c'est dans GTA, moi je te parle de Los Angeles. Los Santos? Et non, n'importe quoi. Tout dit vague. Mais c'est toi qui dis vague. Vague. Il n'y a plus personne au quartier. Pas pour qu'il s'occupe des Hustlers. T'as de l'humour, ça, Lazare. Mais le truc, c'est que moi, il y aurait eu des solutions, mais... Non, mais on peut pas fuir, ça, Lazare. Mais on peut pas fuir, j'avais pas prévu de fuir. Là. Non, on n'a pas prévu de fuir. Moi, j'avais des solutions, mais si la mère de la famille, là, elle est partie se coucher, on peut rien faire. C'est un téléphone qui sonne. Qui m'appelle en fast time, là, allô? Tu vas raccrocher ce fast time. Ouais, raccroche, dépêche-toi, raccroche. C'était qui? Tu n'es pas bien de faire des choses pareilles? Ouais, ça va, je vais montrer ma tête. Je suis finito. Je vais partir à Malte. Je vais prendre toutes mes économies. Je vais voir. On ne va payer aucun impôt. Je vais jouer au casino. Et force à nous. Ça s'est passé ce soir? Kenan. Deux. Ce que t'as fait là, peu importe, avec le père, la mère et tout. Ouais, c'était ce soir. Tu t'es fait kidnapper avec moi? Bon, écoute, moi, je te dis la vérité, Salazar, j'ai pas envie d'être en cavale, je vais aller me rendre, ok? Toi, te rendre, tu vas dire quoi? Oui, c'est moi qui les ai tous tués. On va aller, non, Asia. Jusqu'à la fin non, on va aller, toi et moi, Asia, on va dire, ouais, on s'est fait kidnapper, et advienne que pourra. Il faut affronter nos responsabilités, et si jamais, toi, t'es avocate, et tu me défendras, d'accord? Asia, je peux pas aller en cavale. Là, ça veut dire, au pire, je plonge, ils ont pas assez de preuves, je prends un an. Je suis mort pendant un an, je ressors, grosse barbe, gros pec et... Ah, il me rappelle, attends. Écoute. Allô? Ah, désolé Kenan, j'ai eu des petits soucis. Ouais, dis-moi. Pourquoi il m'appelle pas? Jean, il souhaiterait...
Parce que il a pas ton numéro. Bah donne-lui. Je donnerai, mais il faudrait que tu viennes au PDP. Mais pourquoi je lui donne pas? C'est pour ta sécurité, c'est pour te poser 2-3 questions, ne t'inquiète. Je suis dans le world. Et allô? Ouais. Donne-lui mon numéro, s'il te plaît. J'étais en train de lui donner. Tu ok, parfait, parfait. Ouais. On l'envoie en mission. Il y a les condés dès le matin. Nos noms de famille sont dans la commission. Je m'endormirai dehors, je dois tripler ça. Je rentre à la maison. Si, ça dit quoi ta conversation? Je crois bien que c'est toi qui avais raison. Ben, il a donné numéro à 54. C'est lui, en gros, c'est 54 qui veut me poser des questions. Du coup, il va m'appeler là. Du coup, pour l'instant, ils n'ont pas de fait avéré. Ils n'ont que le témoignage de cette femme. Ouais. Il avait posté un sniper à proximité du poste de police. Ouh là là. Dès que sa tête, elle passe dans le viseur, elle se prend un front, elle témoignera de plus rien du tout. Ils n'ont plus de preuves pour avancer. Cold case. Cold case? C'est quoi? Affaire classée. Vise de procédure, gros bisous au baveux. Affaire classée, ok. Il faut que... Non, il faut que j'aille parce que sinon ça va être encore plus suspect si jamais j'y vais pas. C'est les flics. Les flics, t'as vu, genre c'est... Tu vois les 18, les H-blocks, on peut les éviter, temporiser. Les flics, ça se temporise pas. Le jour qu'ils vont m'attraper, si, tu sais, hey, je vais aller en prison. Kenan, tu sais jouer la comédie, faire du roleplay, tu sais. Bien sûr. Je suis la vipère. Je suis la légende killer, mais je suis aussi la vipère. Tu peux mettre en scène et... Ouais, j'appelle les gars, ils te séquestrent. Les flics qui te retrouvent ligotés, tu dis que toi t'es ligoté pendant plusieurs heures. Et c'est les flics qui viennent te sauver, tu pleures dans leurs bras. Merci monsieur les policiers, vous m'avez sauvé la vie. Oui, allô? Monsieur Kenan? Oui, c'est moi. Oui, je me présente, je suis agent 52 du LCPD. Oui. On aurait besoin que vous veniez au poste pour un interrogatoire. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, hein, je préfère vous le confirmer. Par rapport à quoi? Par rapport à plus une affaire qui nous concerne, je peux pas vous en dire plus au téléphone malheureusement. Parce que là je suis... Je suis pas dispo là. Vous savez dans combien de temps vous pouvez être disponible? Pour les affaires, ça tiendra pas la route. Merde. Trouvez autre chose. J'ai des problèmes. Est-ce que vous pensez avoir réglé vos problèmes bientôt? Super, c'est gentil, je crois. Oui, ça va, je suis au télé avec ma mère. Vous avez besoin d'aide? Vous voulez que... Non, il y a... Attends, oui, évidemment. Bon bisous. Je vous rappelle. Ouais, merci. Vas-y. Ok, j'ai planté la graine. Ouais, mais la graine, c'était avec le policier qu'il fallait la planter. Bah, c'est le policier là qui était au téléphone là, espèce de connasse. Oui, mais tout à l'heure, tout allait bien et maintenant tu commences à te faire kidnapper. Oui, mais tout à l'heure, j'étais un meilleur acteur et j'avais pas de fenêtre pour laisser entendre que je m'étais fait kidnapper. Bah, c'est pour ça qu'il faut pas se précipiter. Du coup, là, comment tu fais pour autant ressembler à une arabe, sérieux? Ça me met trop. Je suis trop fort. Mais oui, t'es trop une arabe, c'est abusé. Tu l'es pas assez. Tu ressembles juste à toi. Non mais regarde, l'appel de tout à l'heure et le dernier là. Ouais. Tu vas dire ça. Tu vas faire quoi? Entre les deux, tu t'es fait kidnapper? Ben Là on... Moi tu vas aller au commissariat? Mais moi je suis pas la tête pensante, moi de la bande, moi c'est pas moi la tête pensante. Aylan il conduit, toi tu réfléchis, moi je tire, normalement c'est ça le truc, le trio. Ouais, et ben pour moi, faut temporiser tant que vous avez pas de nouvelles de la fille, la maman ou la je sais pas. On n'aura pas de nouvelles. On n'en aura pas, elle est au commissariat là, ça y est. Elle dort au commissariat même. Elle a fait sa déposition aujourd'hui? Et non mais c'est sûr qu'elle est avec les keufs, je te dis en gros, Leon il l'avait dans une voiture et elle a couru sur des keufs. Et les keufs ils l'ont réceptionné. Et c'est toujours... Sa parole contre la tienne. Ouais, mais s'il y a une confrontation, je suis fini, toi. Bien sûr que non, s'il y a une confrontation, t'auras de meilleurs discours. Et mais c'est quand tout. Le cadavre de son mari, c'est sa déposition à elle qui va être retenue. C'est moi qui ai sorti le pistolet à l'aéroport en plus. T'as vu à chaque fois, normalement, je suis en mode vipère, et là j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, c'est moi, je vais prendre les devants, je vais sortir le pétard. T'as vu, j'aurais pas dû, faut que je sois une vipère. J'ai pas frappé le sol assez fort. Elle t'a vu le tuer? Non, elle m'a pas vu le tuer, elle m'a vu lui dire sortir mon pétard et dire tu vois mon pétard, monte dans la voiture, dépêche-toi. Moi je te dis quoi qu'il arrive, tant qu'on sera pas allé au commissariat, on en saura pas plus. T'as pas de convocation, on est d'accord. Moi en fait je suis pas en état d'arrestation, mais il m'a convoqué pour interrogatoire, il m'a dit. Eh ben voilà, si tu sors les bons arguments. Eh ben vas-y, on y va, et force à nous. C'est votre meilleure option actuellement. Ouais, ouais, si ouais parce que galère, je suis là derrière. C'est bon. Ta parole contre sa parole, ça veut dire que tu gagnes. Blague, ça fait 20 minutes que je vous le répète. Ouais, mais il faut qu'on réfléchisse. Parce que des keufs, ça c'est des gangs, ça s'esquive, mais des keufs, ça s'esquive pas. C'est ça qui est terrible. Si jamais je suis en cavale maintenant là. Ce monsieur et cette femme là, c'est quoi leur rapport avec toi?
aucun, moi j'ai aucun rapport avec eux, c'est les barons de Titouan. Et Titouan je l'ai tué. Sous les ordres de Salazar, en gros. Ok, pourquoi t'as tué le, son père du coup? C'est Salazar qui l'a tué. Ok. Du coup elle t'a vu arriver. Ouais. Demander à son mari de monter avec toi. Ouais. Maïline, t'es chez toi? Menaçant. Pas chez moi, pourquoi? Tu peux venir chez toi en deux spies, en urgence même? Si j'arrive rapidement. C'est pas ouvert chez toi? Non, c'est pas ouvert chez toi. Non. Le toit sinon. Ouais, mais il faut que. Ah si, c'est ouvert, c'est bon, parfait. Bah, je vais déposer un truc chez toi, ok? Perfecto. Si, no problem. Mais fais attention à hein, pas laisser ouvert quand même chez toi. Mais est-ce que j'ai accès au coffre? Oui, mais c'est tué solo, mais ça prouve-le, les gars, ça a aucun sens. Est-ce que t'as accès au coffre quand t'as pas les clés? T'es pétardé. Aylan? Ouais. T'es pétardé toi ou pas? Ouais. Vas-y, donne-moi. Bas les tout, hein. Même si t'as des petites armes de merde. On allume ton boomerang tant que le ciel est avec nous. Moi, il ne m'intéresse pas, je préfère tous les mettre à genoux. J'ai faim. Si jamais tu rentres, là, pour le récupérer après, si jamais il y a un truc. Tu rentres là-dedans, c'est dans la chambre en bas, ok? À côté du dressing. Vas-y. Ouais, là où j'avais volé la carte bleue, t'inquiète ouais. Même pas. Tu l'as remis d'ailleurs depuis? Bah oui, quand même. Tu vois, quand elle a dit on va au balcon, même... En tout cas, mon frère, si jamais je prends perpète, ça m'a fait plaisir de te connaître. Mais quelle perpète? Tu prendras pas perpète. Il va rien t'arriver, trou de balle, là, tu vois pas? Attends, mais qu'on soit d'accord sur la version qu'on va dire, là, on dit quoi? Du coup... Bah moi je dis pas que j'ai... Mais personne était avec toi, t'étais tout seul. Moi je pense... Assia, on s'est fait kidnapper, t'as vu le bail avec Neto? Eh ben on dit ça, mais sauf qu'on le fait traîner sur plusieurs heures, tu vois. Mais oui, en plus, de toute façon, quand tu te faisais kidnapper... Ouais, c'est pour de vrai, vas-y, c'est bon, vas-y, on dit ça. Ils nous ont ramené exactement là-bas et ils nous ont enculé. Et puis... Oui. Bah oui. Je l'appelle. Allô? Je suis devant. Ah, bah on arrive, demi-tour. Super. Bonsoir messieurs dames, comment je puis vous aider? C'est moi, Kenan. Ah, c'est Kenan? Oui. Ok, bouge pas, j'appelle 52. Il arrive, c'est bon. Ah, tu l'as prévenu, parfait. Tu t'en es remis de ta blessure? Ouais, ça va. Ok, parfait. 52? Tu veux les clés de la voiture, Aylan, du temps? Ouais, vas-y, je vais me changer, je reviens. Ok, 55, j'arrive. Ah, mais vous êtes l'avocate. Aylan! Oui. Fais ta propre vie, trouve-toi des aventures là, le temps qu'on est pas là. Vas-y. Allez. Enchanté, vous pouvez me suivre? Je vous laisse avec les deux agents ici, ici présents. Ça, vous allez bien, vous avez passé une bonne soirée? Pas trop, d'après ce qu'on a compris, hein. C'était pas facile ce soir. Ouais, bah c'est ce que j'ai cru comprendre. Vous êtes entouré de personnes un peu compliquées, non? En gros, ouais, hein. Attendez, je peux répondre, hein. Oui, bien sûr, vous êtes tout à fait le droit. Dans l'eau, là, tôt. Oui. Je crois qu'il est mort, Neto. Ok. Ou pas? Ouais. C'est qui le fou qui crie, pitié? À côté. Allez. Tu fais quoi, là? Je suis au Comico. Quoi? Ouais, je suis au Comico, là, ils veulent me parler. Ok, bon, vas-y. 1, 2, 3, s'il y a un Haja. Et 1, 2, 4, si tout va bien. Tout va bien. Si tout va bien, ça veut dire que t'as vu, je... Oui, non, vraiment. Si tu m'appelles quoi? Non, bon. Tout va bien. Hop, allez-y, rentrez. Je vous tiens la porte. Merci. Hop, allez-y, asseyez-vous, prenez place. Est-ce que vous avez faim, soif? Moi, j'ai faim, ouais. Vous avez faim? Oui. Et vous, madame? Moi, ça va aller, merci. Très bien. Je pourrais vous demander... Je m'en occupe. Oui, dites-moi, si vous avez une compresse ou... S'il me ramène à bord en même temps, quoi? Je suis content aussi. Hein. Une compresse? Oui, quelque chose. Elle saigne à l'arcade. Ouais. D'accord. Je vais voir si je peux vous trouver ça de suite. Parfait. C'est bon, il va vous ramener une compresse de quoi vous puissiez soigner tout ça. Merci. Alors, vous arrêtez 2 minutes, je vais reprendre tout mon dossier. N'hésitez pas à parler bien fort, hein. Vous entendez bien. Ça vous dérange pas qu'on enregistre? Non. Très bien. Ça va, moi, comment je parle ou je parle plus fort? Non, c'est bon, c'est parfait. C'est bon. Ok. On va commencer du coup. Alors, vous vous appelez bien déjà Kenan Seguin, c'est pas ça? Vous avez votre carte d'identité? Seguin? Non, on l'a volé. Oui. C'est ça, Seguin. Seguin, ok, très bien. Mais oui, sinon c'est Kenan Seguin. Parce que tout le monde le prononce de manière différente, c'est Seguin. Non, Seguin. Parfait.
Alors, vous pouvez juste me donner votre date de naissance ? Merde. Non ? C'est pas grave. Je suis, j'ai 24 ans. Ok. Donc je suis né en 2000... 98, ouais. Alors, on vous a fait venir ici parce que... Alors déjà, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on voudrait vous parler de Monsieur Titouan. Ouais. Titouan Zoulé, vous connaissez ? Ouais. Ok. Alors, vous pouvez me dire la dernière fois que vous l'avez vu, s'il vous plaît ? C'était hier soir. Hier soir, oui, vous pouvez m'en dire plus. On avait rendez-vous, en gros, c'est un ami à moi. Donc on se voyait souvent. Et en l'occurrence, au Burger Shot, qui est à côté du port. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait avec lui ? Ben, on a mangé. C'est tout ? Non, c'est pas tout. Je vous le raconte en séquentiel, comme ça, au moins, vous assimilez tout. Hein. Ben ouais, allez-y. Du coup, on a mangé. Il y avait ses gardes du corps même. Je sais pas si vous êtes au courant qu'il avait des gardes du corps. Ses gardes du corps, non, je n'étais pas au courant. Il y avait deux hommes qui l'accompagnaient dans une voiture blindée parce qu'il avait des problèmes. Mais bon, après moi, c'est ses affaires, c'est pas trop les miennes. Et il y a des hommes qui sont venus armés, qui nous ont menacés, qui nous ont braqués. Attendez, laissez-moi fermer un truc vite fait. Vas-y. J'en peux plus de ce mec, c'est pas possible. On dirait qu'il joue à un jeu d'horreur, il joue à Minecraft. Frère, c'est pas beau, frère, c'est jamais vu. Ouais, c'est bon. Du coup, il y a des hommes armés qui sont venus, qui nous ont menacés, qui nous ont braqués. Ils nous ont fait monter dans une voiture. Mais vous étiez là en plus, vous, les monsieur les agents là. Mais oui, je pense que vous avez pas encore fait le lien avec nous, peut-être. Si ? Si, ne vous inquiétez pas, je vais écouter votre version des faits. On est. J'arrive. Il y a eu une course-poursuite qui s'est terminée sur l'île qui est au milieu là. Au bord de la mer, Titouan et moi, on a pris la fuite. On est parti à la nage. On a nagé de toutes nos forces jusqu'à arriver de l'autre côté, là, dans l'île de gauche. De l'ouest. Ok, ouais. Côté Manhattan, tout ça. Oui. Ensuite, on a pris. Je vous dis la vérité, monsieur l'agent, on a volé une voiture, je suis vraiment désolé. Ok, oui. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, mais très bien. Merci. Et ensuite, on s'est séparés. C'est la dernière fois que vous l'avez vu, c'était à cet endroit-là. La dernière fois que je l'ai vu, ouais. Merci. Donc, la dernière fois que vous avez vu Titouan Zoulé, c'était au niveau de Manhattan, vous avez volé une voiture et lui est parti de son côté à pied ou en voiture ? Non, moi je l'ai déposé un peu plus loin. Je l'ai déposé un petit peu plus loin, pas loin de chez moi. Vous habitez vers où ? J'habite vers le quartier. Attendez, je vais vous dire. C'est le quartier des 13 là. Pancho Street ? Ouais. Ok, vous habitez à Pancho Street ? Ouais, on a un appartement avec ma sœur et mon frère. D'accord, donc vous l'avez déposé par là et il est parti tout seul de son côté ? Ouais, il m'a dit qu'il allait appeler quelqu'un et qu'il allait venir le récupérer. Très bien, et puis vous avez plus de nouvelles ? Non. J'ai cru comprendre. D'accord, très bien. On va passer à autre chose. Si vous voulez bien. On va passer à ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ? Racontez-nous un peu votre soirée, monsieur. Au niveau de l'aéroport. Niveau de l'aéroport ? Affirmatif, vous pouvez me raconter à peu près ce qui s'est passé ? C'est gentil, merci. Je peux pas. Voilà. Ok, alors je vais vous dire exactement ce qui nous intéresse. On savait que vous étiez. On sait, pardon, que vous étiez au niveau de l'aéroport, au niveau de Marguerite et Tony Zoulé qui s'apprêtaient à prendre l'avion avec une autre personne. Qu'ils ont décidé de quitter la ville, c'est leur raison qui les regarde. Et que vous étiez présent. Oui. Vous pouvez nous raconter tout ce qui s'est passé, pourquoi vous étiez là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Comment ça ? Bah, vous étiez présent, non ? Monsieur, c'est des trucs qui me dépassent et si je suis pas en état d'arrestation, j'aimerais bien ne pas témoigner par rapport à ça. Ah, vous avez totalement le droit de ne pas répondre, effectivement, si vous le souhaitez. Bah, c'est pas une question de protéger des criminels ou... Vous entendez, vous aussi, ce bruit-là ? Oui. Okay. Non, un bruit de papier, je crois. Ou de papier. Non, j'entends pas. Désolé, je suis en interrogatoire. Je te rappelle après. Parfait, désolé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris qu'ils partaient et que je voulais leur dire au revoir. Après, pour le reste, si je préfère m'abstenir. Vous avez totalement le droit de ne pas répondre, c'est totalement dans vos droits. Après, vous savez, plus vous êtes coopératif, plus ça nous aide.
Ouais, je sais, je l'entends, mais... À... Et plus à vos innocentes. Je l'entends, mais là, en deux soirs, je me suis fait kidnapper deux fois, tabasser deux fois, je veux que ça s'arrête et j'ai pas envie... En fait, on est là pour faire en sorte que ça oui, s'arrête. Oui, je sais, mais ce que vous me dites, c'est voilà, c'est, vous voulez que je vous aide et je le comprends tout à fait. Franchement, je le comprends tout à fait. Mais, ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que si je vous aide, j'ai rien qui me garantit que vous, enfin, je veux dire, que vous allez pas vivre devant chez moi. Moi, j'habite, je suis le grand de la fratrie avec ma petite soeur et mon petit frère. Quand y a des mecs qui vont venir toquer chez moi et cagouler avec des battes de baseball et qui vont nous tabasser, j'aurai pas le temps de vous appeler, vous comprenez? Non, c'est sûr. Après, vous savez, il existe des programmes de protection de témoins. Les témoins qui donnent des informations clés, on peut vous déplacer. Vous je sais très bien comment ça marche. Je sais très bien comment ça marche. Ma soeur, elle travaille dans le droit. Et tant qu'il n'y a pas d'affaires de meurtre qui sont trop dangereuses, il n'y en aura pas de protection de témoins. Après, ça dépend de ce que vous pouvez donner. Quoi. C'est pareil. Moi, j'ai rien de choix à vous donner, monsieur. Moi, je vous dis, j'étais là-bas, j'étais parti leur dire au revoir. Et après, j'ai fermé les yeux. J'avais peur. D'accord. Du coup, vous avez rien d'autre à déclarer concernant ce qui s'est passé à l'aéroport et la suite? Non. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ce que je peux vous dire, c'est que dans le même temps, il y a ma soeur qui se faisait kidnapper. Et moi, en voulant aller l'aider, je me suis fait kidnapper aussi. Donc j'en ai marre. Vous vous êtes fait kidnapper aussi? Quand? Oui, là, tout à l'heure. Quand? Si vous voulez faire une déposition, n'hésitez pas. Non, je veux plus, moi. Moi, ça y est, j'en ai marre. Je veux vendre mes pièces automobiles, je veux une vie tranquille. Je parle à ma soeur, là, pour le coup. Ah, pardon. Vas-y, là, tiens, vas-y. Si vous voulez faire une déposition pour le kidnapping. Bah, le problème c'est que ça commence à être un peu récurrent quoi. Donc on sait bien que la localité n'est pas la meilleure de notre appartement, mais bon ça commence à faire beaucoup. Bah, justement mon arcade ils m'ont blessé. Ok, c'est lié à ça. Oui. Vous avez reconnu personne? Après, j'étais un peu dans les vapes. Vous avez été drogué ou c'est à cause des coups que vous avez reçus? Non, à cause des coups. Il y a eu beaucoup de coups. Un véhicule, une tenue vestimentaire, des couleurs, non? Un accent peut-être? L'un d'entre eux se faisait appeler Eduardo. Eduardo? Ouais. Ok. Ils n'avaient pas des masques particuliers par hasard? Non, je crois que c'était des sortes de. Vous savez, de t-shirts retroussés, je crois. Ok, des genres de cagoule quoi. Ouais. Ok, très bien. Tu te souviens d'autre chose? Il était bien, il y en avait un qui était habillé en rouge avec un bonnet rouge. Ouais. L'autre qui était habillé en blanc avec un bonnet blanc. Et ils avaient une shafter bleu marine. Shafter bleu marine? Ouais. En fait, tous ces éléments, étant donné qu'il nous a rejoints, il a pu les voir à l'extérieur. Ok. 55, 13, vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, parce que après moi, une fois que je pars, je veux plus revenir. Hein. Je réfléchis. Si on vous reconvainc que. Non, mais j'ai pas dit que je viendrai pas, j'ai dit que je voudrais plus. C'est-à-dire si je peux éviter. On comprend. En gros, là, je suis là, posez-moi les questions pour éviter que vous me reconvoquiez justement. Écoutez, on va sortir deux minutes, on voit entre nous et on revient. Et si on n'a pas d'autres questions, on vous libérera ici. Très bien. Ok. Merci à vous. Vous avez posé quoi? Pourquoi c'est la merde? Non, pas ça. Non, ça. Ça, il faut pas le dire. Comme ça, si jamais ça dégénère, je pourrais dire qu'on va forcer. Tu vois, parce que c'est menacé. Parce que j'ai. Ça monter dans la voiture. Non. Faut rien dire sur ça. Et le jour. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Écoute, le jour où toi, moi, je serai convoqué et que quelqu'un aura témoigné contre moi, et ben là, on verra. Et pour l'instant, faut rien dire. Comme ça, je ferai ma version en fonction de ce qu'on m'accuse. Excusez-nous. Ouais. Écoutez, on est bon pour. C'est bon pour nous. De toute façon, si on a des questions, on n'hésitera pas à vous appeler et potentiellement vous reconvoquer. On se garde le droit de le faire, évidemment, même si ça ne vous plaît pas. Elle va bien? Oui. C'est ce qui ça? La mère de Titois? Oui, elle va bien. Et son père? Ça, je ne peux pas vous donner d'informations, malheureusement. Et Titois, vous avez des nouvelles? Ça non plus, je ne peux pas vous donner d'informations. Malheureusement, c'est classé pour l'instant. Ah ben je vous demande pas de donner des informations confidentielles, je vous demande juste est-ce que vous savez s'ils vont bien? Je peux malheureusement pas vous répondre. C'est tout ce que je peux vous dire, désolé. Cligne un œil s'ils vont bien. Allez, venez, je vous raconte. C'est mon meilleur pote, Titan, je veux juste savoir ça s'il vous plaît. Je comprends. Écoutez, dès que j'ai des informations que je peux vous transmettre, je vous appelle, c'est bon? Ok. En Titan. Ok. J'ai votre numéro de toute façon. Venez, on va sortir. Voilà.
Tout est good? Ouais, tout est good. Parfait. Hop, ben en tout cas, merci d'être venu. Bah, de rien. C'est normal. Et j'espère que vos informations pourront nous aider et je vous souhaite une excellente soirée. J'espère aussi, bon courage. Merci beaucoup. Au revoir. Si tu reçois des numéros, des messages assez étranges de numéros que tu connais pas, ouais. Et il y a des hommes qui m'ont interpellé, qui voulaient absolument me vendre de la drogue et qui ont insisté pour prendre mon numéro de téléphone. Ah super, c'est Jason, attends, appelle Ayla DJ qui vient de récup. Ok, ça marche, bah super, bah merci. Et vraiment, aller boire un café avec moi et tout, et je trouvais qu'ils étaient très insistants. Ah! Ok, j'ai capté le message, tu veux que je les tue? Non, juste, je te préviens que si tu as des messages étranges, c'est parce que... Ok, mais tous, si tu veux que je les retrouve et que je les tue. Tu n'as pas besoin de les tuer, par favor. Et alors pourquoi tu me dis ça? Pour te prévenir que tu... Que je dois les tuer? Si tu as des messages étranges. Tu veux que je tue les destinataires des... Non, pas besoin de les tuer, c'est juste que tu es au courant maintenant, c'est tout. Je suis au courant pour pouvoir les tuer, hein? Fais ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, Kenan. Ok. Allez, bisous. Bisous, mi lampadaire. Tu m'en complètement fou de dire ce genre de choses au téléphone. Et on rigole. Ouais, mais fais gaffe. Mm-hmm. C'est lui? C'est qui lui? Allô? Mm-hmm. Vous allez reprendre la patrouille? Oui, je suis à bord. Ah oui, pardon. Oui, c'est qui ça? Est-ce que je dois te déranger? Je sais qui a braqué Asya. Oui, c'est toi que je dois... Oui, bah, ouais, c'est qui? Il m'a raccroché au déjeuner. Deux petits gars, il y en a un qui s'appelle Brandon. Je venais déposer au Chimera. Ouais. Il m'a dit ouvertement, ouais, qu'est-ce que tu faisais avec la fille que j'ai braquée tout à l'heure? Bah, c'est moi du coup. Brandon? Ouais, il y a un qui s'appelle Brandon, il est taxi aussi. Comme moi. Et il y a son pote, c'est son pote qui a parlé. Il travaille au taxi? Ouais. Hein? J'ai son numéro. Et si tu veux, je peux lui faire un guet-apens. Garde-le au chaud, attends, je règle des trucs et je suis là. Je l'ai déposé au Chimera, il est plus avec moi. Ok. Vas-y, ben garde au chaud son numéro, on truc après. Ah, partez là, espèce d'arabe. Bon, tu peux parler, toi. Non, mais c'est trop, t'as même une moustache. Arrête, c'est un duvet. C'est trop mignon. C'est mignon, un duvet? Ben oui, j'aime plus que toi. Là, t'as pas un duvet, là, t'as une barbe complète, là. Non, arrête, je te jure que c'est pas... Je te jure que c'est une légende urbaine, y'a pas de barbe. Qu'est-ce que t'as me regardé comme ça? Encore rien. Pourquoi tu fais des débiles? T'es débile? Pourquoi? Est-ce que tu fais des choses de débiles? Comment ça, non? Bien sûr que si. J'ai fait quoi? Tout le monde te connaît. Tu caches jamais ton visage. Tu sais pas, c'est... Normalement, dans les séries, c'est le minimum, ça. Il y a des numéros qui m'appellent. Oui, allô? Allô, Ben, tranquille. Ouais, c'est qui? T'as du quoi? C'est qui? Comment ça, c'est qui? Attends, moi, parce que je... C'est qui, là, hein? C'est qui au téléphone? C'est toi qui m'appelle. Moi, j'ai pris le numéro d'une meuf. Ah oui, attends, je te la passe. Oui, allô, senior? Ouais, Ben, tranquille. Oui, ça va? Pourquoi tu avais... C'est ton mec qui avait le téléphone? Non, parce que... Il écrivait un message. C'est ton daron, quoi. Ouais, il est en train de me baiser, là. Quoi? Ouais, il est en train de baiser. T'es où? Vas-y, on voit l'adresse, c'est bon, j'arrive avec un collègue, c'est mais bon. Non, mais t'es sérieux ou quoi, toi? Ouh! Mais tu m'as dit que tu étais chaude. Ah ouais, doucement, Kenan, ouh! Putain, il est très fort, hein. Ah, écoute, t'as dit quoi? Doucement qui? Kenan, c'est mon mec. Ah, doucement, Kenan. Ouais. Ah, ok. Mais on reste là, j'ai un dopine, je peux pas te mentir. Non, là, c'est... Pas besoin de notre mec, là, il est trop fort. Il en vaut 4. Et pour notre café, c'est pas mal. C'est quand qu'on va boire. Non, je bois pas de café, là. Je suis chaud. Ah. Tu veux pas que je te paye un kawa? Non. Allô? Oui, allô? Ah, putain, vas-y, j'ai le couille. Vas-y, viens, on se voit. Oui, je te rappelle, au revoir. C'est bon, bisous. Quoi? C'est fini? Ouais, c'est bon. Putain, mais qui m'a... Je vais changer de numéro. Allô, Maïline, viens. Oui, allô? Allô? Je suis le mec que t'as failli foncer dans le... Ah oui, t'as dit t'allais me payer 5000. Ça va ou quoi, bébé? Ça va. Tu m'as trop bien chauffé tout à l'heure, j'ai trop aimé. Ouais, tu me manques, là, tu me manques. T'étais trop belle, en plus, t'étais trop bien maquillée. T'as bien aimé mon petit cœur. Ouais, quand... Ah ouais, Ménibar, t'as bien aimé Ménibar. Toi et tes gros Nibar. J'ai envie de me mordiller les tétons. Non. J'ai envie de te mordiller les tétons, là. Mmh. Mon pote Brandon, là, on se voit quand? Après, là, je suis avec Kenan, là, il a rien... Déjà,
Il s'occupe de moi là. Hey, il baisse comment, vas-y, envoie une vidéo après. Tu veux une sextape? Envoie la sextape, envoie chez lui. Vas-y, attends, je suis là. Miley. Tu veux un POV ou je pose le téléphone quelque part là? Voilà. Vas-y, je pose. Vas-y, bébé. Vas-y. Eh, mais c'est des malades les gens ici là. Il commence à trop aimer ça. Putain, mais il fait quoi, Aylan, frère? T'as quand même, c'est que toi, t'as pas d'autorité. Qui? Toi. Comment ça, j'ai pas d'autorité? Qu'est-ce que tu me racontes? Bah, t'es où? Je suis en train de faire réparer la voiture, là, ils mettent 15 jours. Putain. Je suis à côté du commissariat, j'arrive. Non, t'es pas à côté du commissariat. Dans une minute, ça se voit, t'es pas à côté du commissariat. Bah, je suis allé, tu vois là où t'es. Mais y'a pas de mécano à côté du commissariat? Bah, c'est celui où t'es allé tout à l'heure, il est pas loin. Ok, vas-y. C'est à 1 km, genre. Vas-y, vas-y, j'arrive. Bon, on est mort, on va prendre 20 ans. Mais comment ça, tu vas prendre 20 ans si tu es ressorti de... J'ai un bracelet, il y a le jugement demain. Ah ouais? Ouais. Et c'est quoi l'épreuve? Témoignage de l'autre. D'une personne, genre? Ouais, plus caméra de l'aéroport. Ok, ouais, t'étais là-bas et y'a des caméras qui... Ouais, avec moi, avec mon pétard dans les mains. Ah ouais? Ouais. Cher, tu me rigoles pas avec moi, là? Non, je te... Asia, non, mais moi, 20 ans. Quoi? Asia, toi, tu vas rien prendre parce que c'est par rapport à l'aéroport. Ah oui, mais même ça, tu vas rien prendre, tu vas voir. Layan? Ouais. T'es où? J'arrive là. Je viens au quartier. Je suis pas au quartier. Laisse-moi, je suis là dans 10 minutes. T'arrives où alors? C'est bon? Ah, je suis au studio, je suis en train de parler vite fait d'un truc et j'arrive. Vas-y. C'est bon? Ouais, frère, on aura passé une belle aventure, non, Island, toi et moi? Kenan, arrête. Je ressortirai, j'aurai 45 ans, frérot. T'auras déjà des gosses. Moi, j'irai pas de gosse, moi. Pourquoi t'auras pas de gosse? Parce que je fume trop de shit, je suis stérile, poto. Allo, Mylène, bien? Oui, ça va? Je te rappelle quand tu m'as chauffé ou quoi? Attends, toi, t'es lequel des deux, toi? C'est Julien. Oh, c'est Julien, et ton pote, c'est comment? Mon pote, c'est BR. BR? Ouais, Brandon. Brandon? Brandon et Jason. Brandon et Jason? Ton numéro, ce qui paraît, tu chauffes là, tu vois. Ah ouais, là, je suis trop chaude là. T'es chaude là ou quoi? Ouais, mais. Mais t'as quoi comme voiture? Parce que moi, j'aime bien les gros bolides, moi. Et tu sais quoi, on arrive avec Pierre là, je suis grave, je suis bouillant, je suis... T'as pas une voiture? Ouais. Qu'est-ce qu'il devient? On arrive te chercher là. Attends, mais t'as pas une voiture? Je sais pas, il aime ça, laisse-moi, il se rend dans le cul, j'ai des BMW pied là. Putain, moi on m'a dit que vous aviez une shafter. Boîte, là, je suis complètement quai, là. C'est faux, vous avez pas de shafter? Non, on a pas de shafter, c'est qui t'a dit ça? C'est Bear ou quoi? C'est le mytho? Ouais, Brandon, il m'a dit que vous aviez une shafter un peu bleue, c'est faux? Ouais, si on a une shafter, il me dit qu'on avait une shafter, bah on arrive là. Il va la chercher au conseil, il m'a dit. Arrive en shafter. Vas-y, j'ai la culotte toute mouillée. Arrête, tu me fais bander là, ma grosse bite là, arrête. Vas-y. Arrête là. Vas-y, attends, on arrive, faut que je m'épile et tout, et je suis là, c'est bon. J'ai vraiment une petite photo, c'était chaud. Vas-y, je vais t'envoyer. Ah, finesse. Mais c'est eux deux, c'est les mecs qui t'ont kidnappé là, Asia, j'ai au téléphone depuis tout à l'heure. Ah ouais? Brandon et Jason, ça te dit pas un truc, Jason? C'était pas Jason? C'était vraiment pas ni Jason ni Brandon. Hein. Mais tu m'as dit Brandon, mais si, on a dit Brandon tout à l'heure. C'était c'était un nom très hispanique. Ouais, y'a un mec qui m'a dit, y'a Tommy là, ton mec là, il m'a appelé, il m'a dit c'est Brandon. Et en plus, parce que je vois, c'est qui les deux tout le temps ils traînent ici là, je me suis déjà embrouillé avec eux. Oui, ils sont tout le temps là. Merde, c'est pas là que je devais aller. Ouais, allô? Vas-y, j'arrive au quartier là. Vas-y, j'arrive. Je vais à la boîte de nuit. Grimpe. Vas-y, monte. Oui, mon cœur. Bah, écoute-moi. Oui. J'avais. Attends, faut qu'on aille récupérer le pétard chez ta femme. J'étais au commissariat au cas où, ok? Tu m'as dit quoi, les gars? J'étais au commissariat au cas où. Alors, ils t'ont dit quoi? Bah, moi, y'a rien. Et toi? Moi, je crois qu'y'a rien. Après, vas-y, viens au quartier, de toute façon, on parle. Tiens, on est pas sur la bonne île, on ira après. Ouais, mais si tu vas aller péter les deux autres. Non, mais on va pas les péter maintenant. De toute façon, eux, c'est même pas leur faute. Je pense que eux, ils t'ont attrapé, ils t'ont livré un étau, non, Asia? Oui, ils étaient. Juste, je vais un peu les baiser, mais je vais pas trop les baiser, genre. Et ben voilà, ils ont fait quand même. Mais Neto, il est mort, frère, j'ai trop la haine. C'est pas normal, ça, qui meurt. C'est lui en rouge. Il a pas le droit de mourir comme ça, quoi. C'est lui en rouge, dis-lui que c'est une pute. Ok, je dirais. Ça va le toucher. Quoi, il t'a fait quoi? Non, parce qu'il a insisté sur ça, il a dit: je suis pas une pute, moi, hein. Ça va le faire mal. Comment il faisait, comment? Je suis pas une pute, moi, comme Eminem, genre? T'as la ref? Lui, c'est sûr. Tu l'as la ref de cette musique là, Aylan, ou pas? Vas-y, fais. Ouais, mais d'Eminem. Oui, mais je l'ai dit avant, c'est normal. Mais non, je l'ai, la vie, je l'ai. Ah ouais? D'abord. Ta mère, la pute, toi et ta rêve, j'ai rien du tout. Il n'a pas. Même pas Eminem, je connais. Allô, Tommy? Ça va, Léon? Ça va? Tu vas bien? Erko! Non.
Putain, t'as fait un bide. Il est là, Léon. Ouais, je suis là. Non, mais là, il y a Léon si tu veux. Léon. Dis-moi. Dis-moi, Léon, par hasard, est-ce que ça serait possible d'avoir un petit appart dans le coin? Vas-y, vas-y, oh, trouve celui que tu veux et tu me tiens au courant de celui que t'as. Je savais que t'étais pas mort, Léon. Vas-y, carré. Oh, c'est moi qui gère ici, y'a rien pour toi. Ah, non, on m'a dit de voir avec Léon. Non, mais c'est moi, Léon. Un jour, un jour, les gars, un jour, les gars, un jour. Un jour, peut-être, t'auras un quartier. Mais Beto, tu. Comment t'appelles déjà? Son of a bitch. Bon projet, les gars, bon projet. Léon. Vas-y, il est où mon argent, toi? J'ai braqué pour toi, là. Il est où mon argent? Ouais, donne-nous, là. Ah, mais vous êtes des porcs! C'est ton frère, toi! C'est ton frère! C'est Rylan Carotté? C'est ça, moi, bande de fils de pute, toi! Grave dégueu! Prends-moi, t'as vu direct, il m'a passé un truc. Et en gros, c'est une clé USB avec une vidéo à l'intérieur qui disculpe Oro, tu vois? Et donc, et demain, tu vas être face à un procureur qui veut lui mettre une peine de mort. S'il vous plaît, on parle d'Oro, là, s'il vous plaît. On parle d'Oro, s'il vous plaît. La compte de vos mères, les putes. C'est qui la vos mères, comme on dit? Toi et moi, faut qu'on. Dis, Léon. En gros, demain, il y a le procureur, il va demander la peine de mort, encore une fois, et il va demander deux fois plus que 15 ans, parce qu'il avait pris 15 ans au premier jugement, il va demander 30 ans approximativement, et dans la vidéo, ça le disculpe totalement. Après, est-ce que c'est recevable ou pas, je sais pas. Ça, c'est à toi de voir avant le jugement. Et faut savoir. Et voilà, coup, t'as vu. C'est cette Flora qui l'a en sa possession. Ouais, non, mais c'est moi qui viens de lui donner là. C'est quoi qu'il a fait? C'est quoi l'histoire? Il est inculpé pour le meurtre de Yumi Sato. C'est excellent ça. Et Il est finito. Et il a avoué. En gros, il a avoué, mais il plaide coupable. Il a plaidé coupable parce que son avocat lui a dit de plaider coupable. En fait, tiens. Tu vois? Quoi? Ouais. Ok. Et donc, je sais pas comment ça va se passer. Ça, je te dis, t'es dans un accord pour le sortir. Ah, bien, non. Après, non. Si tu peux le sortir, si tu par peux contre, pas, je suis déçu. Après, entre nous. Ouais. Je suis allé, la voiture, elle est toute neuve. Arrête. J'avais grave la haine. Vas-y, on y retourne. Sa plaidoirie. Ouais. Gâteau monstre. Là, ce qu'il faut faire, c'est. Bon, vert. T'inquiète, viens, tu vois. C'est dire. Bon, vert. Truc qu'on a pas. Il était pas. Et tu t'appelles Bébéto ou tu t'appelles Gâteau? Voilà, moi, je comprends plus rien. Bébéto, appelle-moi Bébéto. De toute façon, je vous l'ai dit, Bébéto. Ouais, Bébéto. Tu roules en commode, j'ai pété les plombs. Et pourquoi tu l'as mis en or comme ça? Elle en or là, t'es bourré toi. Hein. En or, j'ai dit en or. Non, elle est beige. C'est un roumain. Mais en vrai, c'est discret. Je te jure que c'est pas discret, vraiment on te voit de super long. Mais non, parce que regarde, je suis dans la même couleur que la route. T'aurais dû aller toi à gauche. La route, elle est pas cette couleur. Bah si. Un peu. Ah, je suis mort. Alors là, c'est sûr, je suis mort. Bien. Non, ça va pas bien. Je suis mort. Vous voyez pas que je suis mort? Asseyez-vous. Non, je peux pas. Ma soeur, je suis mort. Oh les gars. Ok. Repose en paix. Mais pourquoi vous restez pas sur votre voie? Vous avez votre permis au moins, vous là, bande de cons? En plus, j'étais même pas sur la bonne voie. Mais c'est vous qui n'étiez pas sur la bonne voie. En plus, ils roulaient à contre-sens. Non, vous avez roulé trop vite. Complètement fou. Ils étaient à contre-sens. Vous m'avez... Regarde la bagnole, vous avez niqué la bagnole. Ah, ça y est, il a mal, c'est bon, il a mal. Pas demander de l'argent, parce que je suis pas foutu. Putain. Je suis pas foutu, même t'as pas de preuve que c'est moi qui conduisais. Bande de cons, je devrais vous tuer. Quoi? C'est celui qui roule à contre-sens et qui lui tape dedans qui dit ça. Ouais, mais je suis revenu à la vie. Ah, ça y est. Quoi? Ça va, vous êtes pas trop blessé? Non, ça va. Attends, mais incroyable ta tenue. C'est vrai, merci. C'est ma tenue pour le théâtre. Incroyable. Toi aussi, incroyable ta tenue. Quand je suis mis un masque et voilà, je suis plus personne, tu sais pas qui je suis. Ah, ouais, j'étais qui? Ouais. Et attention, t'es prêt? Vous êtes qui vous? Ah, qui que je suis? Bah, tu sais, toi. Salut. Vas-y, force. Moi, t'as un ange gardien, frérot. Vas-y, moi. Ouais. Salut. Ciao. Salut. Oh. Ça vit bien. Ouais, ça vit bien, mais faites des prières pour eux. Donc, 3 virages et recartonne. C'est sûr. C'est pas daronne, je veux la cartonne. Vas-y, on a la même mère et en plus, c'est une grosse. Les gars, c'est chaud. Dis-le, bébé, toi. Quoi, du coup, maman, vas-y. Vas-y, Tej, si t'en as, vas-y, Tej. Non, mais là, c'est ma voiture perso. Bah, écoute, soit t'es un homme, soit t'es pas un homme. Et tu veux quoi, toi? La mère qui se fait tabasser par Kenan. Attends, mais c'est là, non? Non, je te dis d'insulter ma mère. Ouais.
Étais-je Ventura, frère, comme ça ça pète plus vite, arrête d'être con. En train de dormir. Encore un petit coup, je crois. Non, non, ah. Au moins tu vas faire un strike avec l'air. Regarde, regarde, regarde. Ça se propage à une vitesse folle. Attends, j'avais trop d'infos. C'était cocktail, tu les as fait avec de l'eau, quoi, cousin. C'est impossible. Non, non, non. On a mis un fond de piste de ton père, un peu d'alcool. Oublie pas, mon daron, il pisse dans la bouche de ta mère, s'il te plaît. Ça va péter l'année prochaine, hein. Oh, t'as plus de cocktails que de balles dans ton calipse. C'est impossible. Donc, regarde derrière en plus, je crois. Ouais. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Roule, 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 roule. Putain, y'a personne à regarder! Petite pute! Non. Moi j'étais concentré sur la table! J'ai mis une voiture, j'ai entendu freine, freine, freine! Non, mon père il a commencé à battre à 3K, voilà! Oh putain! Oh la 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 la! Heureusement j'ai réussi à trouver un homme pour sortir! Oh, on fait ça ou pas, les gars? Mais par contre, oh, ils sont à l'automatique et tout, hein! Bah, ouais. Putain, ils sont équipés, hein! Oh la la! C'est bon, tout le monde va bien? On aurait pu canner, wesh. Range ta voiture, mais là pas là, ils vont venir, vas-y, ils vont nous enculer. Attends, moi je crois que je vais bien. Ouais, je vais bien, je vais voir toi si tu vas bien. Tout est béné, non? Ouais, tu vas bien aussi? Ah, c'est carré. Sartek. Moi je pense qu'il faut qu'on aille chercher nos pétards quand même. J'ai commencé à me chier dessus là. Depuis une heure, la voiture est pas pétée. D'un coup, nous on était concentrés sur la voiture. Tu prends un carré, il débarque avec je sais pas combien de mecs. Une autre voiture, ça nous tire dessus. Oh, ils ont sécurisé un périmètre. Non, mais à l'automatique et tout, hein. Y'avait deux. Léon, répare ma voiture, s'il te plaît. Il est emballé. Zola, répare-lui la voiture, s'il te plaît. T'es mécano, toi. Hey, t'es mécano, toi. Vas-y, attends. C'est qui déjà? Comment il s'appelle, eux? Hustler. Hustler. Putain, c'était chaud, les gars. Mais t'as pas revendiqué, bébéto. J'ai pas revendiqué, j'ai pas eu le temps. Et ils savent que c'est nous de toute façon. Non? Ah, y'a que. Bah, y'a que. Mais si, si. Bah, ils savent, y'a que nous. On s'est fait tirer dessus. On s'est fait tirer dessus, frère. Oh, ils savent que c'est nous. Ils savent qu'ils s'en biffent avec personne. Tout le monde leur mange dans la main. Oui, 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 oui. Ils savent que c'est nous, du coup. Voilà, et bah oui, ils savent que c'est nous. Yeah, les gars, ils savent que c'est bon. Ok, hop, je vais mettre. Pousse-toi, hop là. Tu vas aller récupérer les pétards, justement, Aylan? Moi, j'attends. Vas-y, tu mets le GPS. C'est time. En gars, si jamais, parce que je sais même pas c'est où le GPS, moi. Mais en gros, si jamais tu veux te repérer. Tu m'as dit que tu t'es aligné au Comico. Je crois que c'est. Regarde, c'est pas loin de là. Et de toute façon, c'est la tour la plus haute possible. T'as vu, tu regardes attends, avec tes yeux. Ah ouais. Attends, c'est quoi, regarde, Léon. Ouais. La dernière fois, je t'avais passé les doubles de clés de cette voiture, s'il te plaît. Mais bah vas-y, prends-les. Vas-y, comme ça, c'est les tiennes. C'est bon, je fais ça. Ouais, mais c'est, je sais pas c'est quel numéro. Tu la connais. Après je la passe. C'est bon? C'est la dernière que t'as eu non? Ouais non mais attends. T'es qui toi encore toi? Moi c'est Fossa. Qui? Fossa. Je suis le bras gauche de Lion. Tiens je t'encule. Aïe. Attends. Vas-y tape. Oh. Ouais Lion. Ouais attends deux secondes. Oh, lourd. Merci. Non, c'est bon, t'as ton pire ennemi. Ouais, j'ai ça. Ok. Qui mon pire ennemi? Ma caca. Là, devant toi, y'a ton pire ennemi. Donc demain, je sais pas quelle heure faudra que tu arrives à y parler. Là, franchement. Tu m'avais dit, il y a un peu. Soit ça marche, soit je vais tout faire pour gagner. De toute façon, voilà. Faut que tu retardes le jugement au maximum, comme ça, au moins tu prépares bien là. Ouais, bon, je m'en vends. Ouais, viens voir. Vas-y, viens. Vous avez qu'une voiture. C'est eux, non? Qui? Qui t'ont braqué? En salle à salle, s'il te plaît. En salle à salle. Ouais, stop. C'est possible. Tu me laisses 2 minutes. Oui, je te laisse 2 minutes. Pourquoi vous êtes masqué, vous? Parce qu'on est la brigade Men in Black. Comment ça? Chasser les aliens? On est une brigade de police, la Men in Black. Et vous chassez les aliens? Ouais. Ok. Ouais, bonsoir. Bonsoir.
Allez, on va. Ah, Mélo. C'est bon. Je pense sur toi. Ça va péter vite, wesh! Wesh, ça va péter super vite! Il y avait une bombe de gaz à côté. Arrête! Ah. C'est qui là? C'est moi, c'est moi. C'est qui? Oh. C'est qui? Je sais pas c'est qui, je sais pas c'est qui. Allo, allo. Oh. Vas-y, venez, venez, venez. Oh, on est dans la merde, oh, on est dans la merde. Oh la vue de ma mère, elle c'est trop. Non, toi, toi, t'es trop fou de la merde. Ça va les mecs. Ça, toi, c'est une dinguerie. Ça donne un quartier, toi. Tu fais pas tout ce qu'on a sur toi. Mais à l'aise, petite tenue, une petite tenue sur nous. J'ai pas une tenue humiliante là. Je l'aurais bien donné. Tu sais pas tout ce qu'on a sur nous, faut pas qu'on se pète. C'est qui? Ça va lui apprendre la vie un peu. Mais si, il est. Bah, il s'en cas, calme-toi. Je le dis. Ça fait 2-3 fois. Après, après il me braque. Qu'est-ce qu'il se passe? Allez, entrez dans votre quartier. Moi, je... Non, je suis pas dans mon quartier, moi. Eh ben ouais, alors, carte dehors. Mais pourquoi? Parce que je suis en train de parler avec Léon. Ah, ok, pardon. Bah, si. Je suis le pyromane de la famille, j'aime trop le feu. C'est plus fort que moi. En fait, j'arriverai pas à passer à autre chose. Encore, on va pas exploser. Fils de pute. Sale fils de pute. Fils de pute, revive. Revive. De pute de souris, va! Wow! Le piège à souris, il est pour ta grand-mère, il est! Aïe! Dégage du quartier! Il va nous niquer, les gars! Dégage du quartier! Elle est où la voiture? Quoi? Je sais pas! Attends, tiens d'ailleurs, attends! Arrête de réparer la voiture! Ah, ah s'il te plaît, je vais mourir! Ah arrête, c'est plus fort! Laissez-moi faire pisse le pute qui a décoqué mon autre dans ma voiture! Agression de l'heure! Aïe!
Il faut que je trouve un échappatoire. Manger des cocktails de molotov d'affilée. Ça va, monsieur, c'est le bordel là ou quoi? Allez, dégage, dégage. Quoi? Non, dégage, non, mais le côté de ta tête, il est où ton pantalon, il connaît des choses, il non, 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 rien à voir, celui qui faisait des cocktails, il avait une shirt blanc. Moi, j'ai pas de shirt blanc, moi je suis torse nu. Ok, c'est bon. Petite merde. C'est quoi cette voiture? C'est un agent. C'est de pute. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais c'est qui lui? Ouais, toujours moi. C'est un petit fils de pute qui veut mettre une balle dans la tête et il va mourir. En fait. Bah parce qu'il pèse ma voiture pour rien. T'as vu son caleçon? Aïe. Ah mais c'est Kenan. Ouais. Ça va? Évite de te tirer des ennuis avec Bad. Ok, pardon. J'examine, j'assassine tous les faux qui parlent juste parce que je pourrais percer. Depuis petit j'ai des crocs, ils veulent ma peau mais non pas les couilles de chasse.